Voilà, le micro il fonctionne cette fois-ci les gars. Je sais pas pourquoi il était déconnecté. Il était déconnecté. Comment ça va les gars? J'espère que vous allez tous très très bien. Bienvenue à ceux qui arrivent pour la première fois. Ivan, Pog, Pof. Il y a plein de nouvelles personnes qui sont là, ça fait plaisir. J'espère que vous êtes chauds les gars, parce que là on est reparti pour... Je suis en train de lire deux messages en même temps, je suis désolé, ça veut rien dire ce que je dis. Je suis en train de dire qu'on doit terminer le mercato aujourd'hui. Aujourd'hui, on doit terminer impérativement le mercato, impérativement le gagner, ce nouveau joueur, parce qu'on a besoin d'un nouvel attaquant. Moi, ça va bien les gars, vous ça va aussi, la forme. Je pense que vous m'entendez tous très très bien, normalement il n'y a plus de bugs de son. Donc dites-moi tout ça dans les commentaires. Il y a l'attaquant là, il faut qu'on réagisse direct, on doit directement aller chercher l'attaquant. Pour tout vous dire, salut première sur Twitch, mais je suis ton contenu sur YouTube depuis déjà un bail. Ben, ça fait plaisir, merci à toi d'être là frérot. J'étais abonné sur YouTube et aujourd'hui je viens de sur Twitch. T'as bien raison, venez, faut venir sur Twitch vraiment. Hein. Twitch c'est vraiment détente totale. C'est vraiment détente totale, c'est là où on profite un max. Alors, tac, attaquant, on n'avait pas réussi à se faire prêter le petit Midana Kasama. Et on a les garçons là qui pourraient nous intéresser. En vrai, de toute façon, c'est un pré-cours. Donc, je vais plutôt aller chercher soit Noël, soit je vais aller chercher le petit Alarcon, qui est pas mal, hein, 4 étoiles de mauvais pied, 4 étoiles de geste technique. Je vais essayer d'aborder les prêts, mais ils veulent pas. Le prêt, ils veulent pas. Non, mais dis-moi pas que... Ah, bah le Real, ils sont d'accord. Le budget, on a pas de budget, les gars. Le budget qu'on a, c'est uniquement pour faire du recrutement. En vrai, c'est un recrutement, c'est un prêt. Hein. Et de toute façon, nous, c'est ce qui va nous intéresser. C'est un prêt. Eux, ils veulent un prêt court sur une demi-saison. Et voilà, vous voyez qu'avec même avec le Real, si on essaie de négocier un petit peu, on a quand même un joueur indemnité de transfert. On met quoi, 3 millions ? Je pourrais même pas leur ajouter une indemnité de transfert. Retirer la clause à la revente. Ça, c'est vraiment con parce que cet argent, je pourrais l'avoir plus tard. Ils vont me refuser. Bah oui, c'est clair. C'est clair, on va essayer de revenir. Alors, j'ai commencé une carrière en D4 anglaise avec Newport Country. Tu penses que c'est un bon projet? Bah, c'est un projet compliqué, donc oui. Toujours intéressant, les projets compliqués. Je t'encourage vraiment. Essaye Marguay sur 6 mois, comme ça. Ah, c'est le retour de Kevin Carlos. Ouais, ce serait la possibilité, mais ils veulent pas. Malheureusement. Bon, là, de toute façon, on a le match face à Andorra. Faudra pas se louper. C'est ceux qui nous ont éliminés en Coupe d'Espagne, hein, quand même. Hein, donc... On a une petite revanche à reprendre. Moi, le gros problème, hein, au-delà de pas réussir à financer le mercato hivernal, le gros problème qu'on a eu, qu'on se le dise, c'est le non-transfert de certains joueurs. Certains joueurs n'ont pas été transférés. On attendait des offres qui ne sont jamais tombées. On devait récupérer environ 2 millions en vendant des gars. On n'a pas su les vendre. Voilà où il est le problème. Le problème, il est uniquement là. Donc c'est comme ça. Le pire, le reste de l'argent mêlé dans le CDF, ça pourrait être un argument. Après, c'est vrai que moi, dans mon envie, ce serait de recruter quand même, de recruter un joueur en prêt. Encore une fois, on a déjà un joueur prêté par le Real de Madrid. Asp, tu peux te le faire prêter? Je sais pas, Arp, si je peux me le faire prêter, mais... Après, en soi, c'est difficile. Sportivement, j'y vois encore beau. C'est encore trop flou, en fait. On est trop dans de l'action-réaction. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a un effectif qui est compétitif. La preuve, on est deuxième du championnat. On se bat pour une... Attention. On se bat pour une montée. Ça, c'est une vérité. 1-0. Erreur et goal. L'erreur à la relance, c'est goal, ça fait mal. En plus, c'est Nieto qui était chez nous la première partie de saison qui nous marque le but. Ce que je veux dire par là, c'est que le gros problème de notre équipe aujourd'hui, les gars, c'est qu'on a des joueurs, on n'a pas de grande qualité et des joueurs à potentiel. Ça, c'est une première chose. Ensuite, on a très peu de budget.
Et on a, voilà, qu'on se le dise, très peu de moyens d'y arriver. Hein. Avec cette équipe, c'est ultra compliqué. Et on est un petit peu là, on est en train de construire un projet. Pour moi, on est en avance sur le projet que je voulais construire. Hein. Je ne m'attendais pas à ce qu'on soit compétitif pour monter première saison. Et après, voilà, hein, on va jouer crânement notre chance. Après, c'est clair que si tu montes avec cet effectif-là, tu dois t'attendre à une saison plus que compliquée. Hein. Mais après, c'est pas impossible d'y arriver. Bien joué, ça. Oh là là. Dans tous les cas, le faible niveau de l'équipe et les joueurs du centre de formation se feront Ouais, ils sont pas si nuls, mais encore une fois, je veux bien intégrer des jeunes du centre de formation, mais je veux pas non plus faire une carrière CDF, quoi, tu vois ce que je veux dire. Mais oui, on peut regarder le centre de formation, mais ça risque d'être compliqué. Bien joué, ça. Voilà. Salut Lucas, comment ça va? Bienvenue à toi, première fois sur de la semaine, hein, avec nous, ça fait plaisir. On était absent hier, hein. Hier je vous avais dit qu'on liveait, mais finalement j'ai eu la possibilité d'aller prendre un peu de fraîcheur. Donc je vais pas me cacher que j'y ai profité, et ça m'a fait le plus grand bien. Dans une période où je passe énormément de temps à bosser pour YouTube, genre ce matin 4 heures de tournage, ça fait mal. Hein. Et il y a Youssef, comment ça va? Bienvenue à toi. Allez, on va pousser. Dommage, c'était pas si mal tiré. Il y a corner, elle est déviée. Ah, même pas corner. Bon, je suis en offensif, même pas. Je vais passer en offensif. 31 minutes, on est mené, hein, les gars. Hein. Une erreur était menée. Hein. L'exigence du haut niveau. Yes, bien joué mon gars. Allez, égalisation de Zidane. Tu fais que YouTube ou t'as un autre travail? Non, j'ai un autre travail. Bien sûr. Les gars, je fais pas que YouTube. YouTube, c'est une passion. Non, les gars, j'ai fait une vidéo pour expliquer ce qui s'est passé. Je me suis blessé au foot. Et du coup, je suis embêté à la jambe. Et là, je suis en attente de mon médecin. Ça, rendez-vous compte, hein. Je me suis fait mal le 12. J'ai eu les résultats le 15. Comme quoi j'étais blessé, ou le 16. Et ils m'ont mis à l'arrêt jusqu'au 19 août. Et je dois me faire contacter par un spécialiste, un spécialiste de la, pas de la jambe exactement, mais de la motricité, pour voir l'état de la situation de ma jambe. Et je pense qu'ils sont en vacances, donc ça fait 2 semaines que j'ai pas de nouvelles de ce médecin. Je dois d'ailleurs, j'ai fait un peu plus tôt parce qu'après j'ai des appels à faire, notamment appeler mon médecin de famille pour savoir où ça en est, parce que j'en ai marre d'être à la maison sans faire de réduc. Et j'ai un peu l'impression de perdre du temps dans ma rééducation, ça qui m'énerve un petit peu, mais bon, bah, c'est comme ça. Je fais ça dans une belle période parce qu'il fait chaud, c'est cool, mais par contre, bah, les médecins ils sont en vacances, quoi, hein, ils prennent des congés. Et en fait, j'ai déjà ressenti que ça s'est remusclé un petit peu, donc j'ai moins mal. Mais le problème, c'est que si tu traites pas ça, tu peux vraiment avoir de gros antécédents par la suite. Et moi, c'est pas ce que je veux. Donc, c'est clair et net qu'il faut prendre ça au sérieux. Allez, Garcia qui met un petit but. Pourquoi j'ai choisi Elche? Parce qu'on voulait un club de deuxième division. On voulait quelque chose de... Un vrai challenge, pas facile. Et puis, franchement, quand je suis arrivé, les premières impressions, c'était... On est arrivé à la maison de retraite. C'était un peu ça. Donc, du coup... On est satisfait. Donc voilà. Je sais, non, mais il a le swag, il est en peignoir, notre coach. Il est en peignoir, notre coach, les gars. Respecté, il a une aura. Salut Rames, ça va bien et toi? Ça va bien. Et puis vous, les gars, quoi de neuf? Mercato, là, il s'est passé des trucs, là, c'était ce week-end, là. Alors, comment? On a beaucoup parlé de l'OM la semaine dernière.
Beaucoup, beaucoup. Oh, je te montrerai après qui c'est que j'ai recruté. On a pas fait beaucoup de recrutement en soi, hein, parce qu'on n'avait pas d'argent. On a recruté les frères Zidane. On s'est fait prêter Nico Paz. On a été chercher Kevin Carlos, qui est malheureusement blessé 3 mois. Notre nouvel attaquant. Ils tirent dessus, les gars, ils ont de la réussite, quoi. Oh, ils sifflent Peno! Oh, ils sifflent Peno! C'est un scandale de siffler Peno! Rennes qui a fait signer le défenseur de Naples, Østigard, ouais. Dortmund, Yann Couto qui arrive. Vivement que Ulysse Garcia parte. C'est une dinguerie ce qui siffle là. Égalisation. Franchement, je trouve sévère. Après, j'ai pas bien revu au ralenti, mais première impression, c'est que je trouve que c'est sévère. La balle qui traîne là, l'amorti. Ouais, il saute quoi. C'est abusé, c'est abusé. C'est abusé. Mais bon, après, voilà, le penalty n'est pas déconnant. Bon. Penalty transformé par Andorra qui finalement me pose de gros problèmes dans cette carrière. C'est une dinguerie, hein. C'est vraiment un gros problème qu'on a avec cette équipe. Ils sont vraiment chiants à jouer. C'est comme ça. Allez. Et comme je disais dans mon analyse de l'équipe, les gars, le gros problème avec cette équipe, c'est qu'on a trop de joueurs qui ne nous appartiennent pas, en fait. Pour moi, hein. Même l'année prochaine, tu sais déjà que oui, tu vas axer un recrutement pour renforcer l'équipe, mais surtout, une volonté, ça va être d'avoir des joueurs sous contrat avec toi. Parce que là, actuellement, quand tu arrives dans l'équipe, que tu vois qu'il y a 8 joueurs qui sont prêtés. Et que moi encore je vais me faire prêter des joueurs, tu te dis mais c'est pas possible quoi. Oh, fallait marquer le poteau. Donc c'est ça le gros problème. Après oui, moi je suis persuadé qu'on fait des bons coups. Le coup Zidane à 1 million, les gars, c'est un braquage qu'on a fait, hein. Zidane, le milieu à 1 million. Même le goalie, c'est une franche réussite d'aller chercher ce gardien. Il est plus jeune que celui qu'on avait. Il a bien progressé. C'est le meilleur transfert qu'on réalise, hein, le gardien, le fils Zidane. Donc, moi, je suis pour à 2000%. Hein. Donc, voilà. Ah, dommage. Et là, il faut récupérer. Et là, il faut jouer devant. Non, mais il faut jouer devant tout de suite. Donc, voilà. Mandy qui va arriver au LOSC, purée, il joue encore Mandy, c'est l'Algérien, il est Algérien lui. Il a joué où? À Villarreal, je sais, entre autres. Putain, il me colle au basque. Il a joué Morientes. Putain, il y a plus de structure dans cette fin de match, c'est pas terrible ce qu'on propose. Faut faire les changements. Franchement, si on fait match nul et que Tenerife gagne, ils reprennent 3 points d'avance. Franchement, t'as l'impression de faire tu fais un pas, t'en fais deux en arrière, quoi. C'est un truc de ouf. Allez. Ah! C'est quoi ton objectif avec Elche? Cette année, c'est déjà de reconstruire une équipe compétitive pour potentiellement monter. Moi, je me suis dit qu'on pouvait pas parler de la montée sur 2 ans. La réalité, les gars, c'est qu'on est potentiellement en train de monter sur bien moins. Ça, c'est génial. Bravo à nous. Mais après, ça, pour moi, ça sert à rien de monter pour aller se faire taper en première division, quoi. Moi, je veux installer Elche. Après, les gars, je vous dis la vérité, si on monte, si on arrive à les maintenir, peut-être qu'on a des propositions d'un autre. Je suis pas ouvert, je suis pas fermé à un départ, hein. Nous, on lance une carrière manager, hein. J'ai pas dit qu'on allait faire 4 ans à Elche et puis pas changer de club, hein. Non, non, moi j'ai dit juste qu'on part d'Elche, après on verra où ça se passe. Mais moi, pour ma part, si on peut avoir des propositions de première division espagnole ou des clubs anglais ou autres où on attise la convoitise, moi, je suis chaud, hein. Oh là 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 là, on a failli marquer avec notre nouvelle recrue. Allez. Contre balles arrêtées, on n'est vraiment pas bon. Hein.
Ah, la balle qui est perdue. Allez, peut-être qu'on peut retourner une dernière fois. Ouais, non. Et Andorre, définitivement, Andorre, une équipe que j'aime pas jouer. Oh là là, mais le pivot qui me fait là. Définitivement une équipe que je n'aime pas jouer, qui me pose de gros problèmes. Nouveau match nul. Donc voilà. Incroyable, on perd des points bêtement. Donc voilà, c'est comme ça. C'est bien dommage. Oh, Siri, tu vas pas t'y mettre. Bon. Tenerife, on est à égalité avec eux. Ils jouent tout le temps après nous, hein. Tu vas quand à Alicante? Oh putain, il nous rappelle. Ça, c'est vraiment pas cool. Je vais fin août. Fin août. Là, c'est vraiment pas cool qu'il nous le rappelle, quoi. Bon, on est dans les dernières heures du mercato. On a encore perdu un latéral parce que les clubs les rappellent, parce qu'on joue pas, ça joue pas assez. C'est la vérité, c'est comme ça. C'est comme ça, les gars. Faut qu'on, voilà, faut qu'on soit solide. On travaille avec. Peut-être que la solution du centre de formation en est une, hein, en vrai. On a 27 joueurs au contingent. On a un centre de formation qui. Wow, on a un gardien, là, Miguel Lopez, 18 ans. Qu'on pourrait promouvoir en première équipe. Mais après, j'ai pas envie de changer. Zidane, il est correct, hein. Mais c'est vrai que si lui, par exemple, c'était un latéral, tu vois, ça aurait été top. Ça aurait été vraiment top. Personnel de jeunes, qu'est-ce qu'on a? Ouais. J'ai pas d'argent, hein, pour dépenser de façon dans un très bon recruteur. Faut miser. Faut vraiment qu'on ait de la chatte, en gros. Faut qu'on lance un recruteur 3 mois en Espagne. Et faut juste qu'on ait de la chatte. Pour moi, cette saison, je pense que la Ligue 1 sera surpris du champion. Donc tu penses que le champion en Ligue 1 sera une surprise, si je comprends bien. Ce qui n'est pas déconnant. Hein, dont ils ont fait un match nul. En fait, les leaders... Vous avez remarqué un truc, les gars. Ça fait peut-être 3-4 journées que nous et Tenerife ont fait les mêmes résultats. Et résultats des courses, derrière, Cadiz, Sporting Riron, Almeria, ils sont tous en train de revenir comme des bâtards. Donc... On a perdu énormément de points qu'on avait. Et moi, j'avais cette possibilité-là, je ne peux plus la saisir. Ça me saoule. Je suis vraiment, vraiment embêté. Juste, je dois juste répondre à cet appel, c'est important. Allô? Ouais, je te fais pas juste pas long. Ça va? Petite question, 8 pour demain soir. Jeudi soir. Moi, j'ai compté 8. Donc ça fait moins 2, donc 8. Donc c'est juste. Ouais, les gars, j'ai compté. Ouais. Ça joue, merci. Ciao, ciao. Excusez. Excusez-moi, c'est ça de faire des lives aussi. C'est qu'après, t'as des fois des petites imprévus. Franchement, je regarde, je suis vraiment, vraiment, vraiment embêté. Genre, je voudrais bien rapporter un joueur à l'équipe. Mais un défenseur central, j'en ai des masses. Défenseur gauche, j'ai que Schmidt. Je pense pas que ça va intéresser Saint-Gall. C'est un bon joueur. Moi, je vais miser sur le recrutement du centre de formation. Faut espérer qu'on nous trouve des petits joueurs à 60. En agent libre, on a déjà tout scruté, les gars. Agent libre, on a fouillé de fond en comble. On a trouvé un agent libre. Oui, j'ai mal formulé ma phrase, mais sincèrement, au vu du mercato de Lyon, Marseille, Paris, oui, qui pour moi, pour le moment, sont à la traîne, je pense que Paris ne sera peut-être pas champion. Je vois bien Lyon, Monaco, Marseille finir au moins dans le Big Five.
Et va pas se mentir, Paris sans Mbappé, ça sera pas pareil. Ouais, mais justement, moi je pense que Paris sans Mbappé, ça peut enfin marcher. Mais ça, c'est que mon point de vue. Alors, il faut vraiment. Je rêverais d'avoir. Alors voilà, lui, officiellement, dans l'équipe, c'est bien. Toi, c'est à cause de lui, les gars. C'est à cause de lui qu'on est dans cette situation compliquée au mercato. Il n'est pas parti. Bon. Zidane qui est monté à 73, ça c'est cool, ça progresse au moins, c'est bien. On a une ossature qui progresse en vrai, hein. On n'est pas à plaindre. Il faut vraiment qu'on fasse un bon match là. Kevin Carlos, vivement qu'il revienne lui, parce qu'il va vraiment vraiment nous faire du bien. Allez, on est parti, on reprend quasiment les mêmes, on doit éviter les erreurs, on fait une erreur, on se la paye cash. Bah voilà, c'est la vérité les gars, hein. Là. Ouais, je sais, mais je préférerais avoir plein de joueurs. Enfin, je préfère avoir plein de joueurs. Vends le nouveau gardien. Mais attends, je suis hors mercato, les gars. Donc, c'est fini. Mercato fini. On avait fait, de toute façon, une grosse partie du mercato estival la semaine dernière. Donc, voilà. C'est parti, allez. Faut faire un gros match. Faut être solide. Et en fait, ce qui est souvent, toi, si tu devais quitter Elche, tu partirais où? Bah, franchement, pour le moment, je vais pas me prononcer. On n'a rien fait à Elche. On est en train de potentiellement réussir à les faire monter en première division. Mais ça s'arrête là. Là, je suis sur PC, là. Sur Xbox, pardon. Ouais, ça passe. Oh, y a personne, y a personne. Faute. Ah, y a pas faute. Hop, 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 hop. Putain, ça joue bien, hein. Ouais, c'est une dinguerie, gars. Il tombe comme c'est pas permis. C'est des mouches, penalty, quoi. Ah, oh, mais c'est pas possible. Et c'est la deuxième penalty en deux matchs qu'on concède. 1-0. Ah les gars, on est dans le creux de la vague. On est dans le creux de la vague. Et on arrive, qu'on se le dise pas, à en sortir. 1-0. Allez, faut qu'on joue plus. Faut qu'on soit plus décisif dans les derniers mètres. C'est ce qui nous fait défaut pour le moment pour moi. Dommage. Encore les gars. Oh, et puis derrière ça récupère. Montiel. Et la bonne récupération. Allez, Morientes. Allez, peut-être là. Possibilité. Allez, franchement, le problème c'est qu'on a vraiment une attaque. Ouah. On a des joueurs offensifs, c'est des plots. Hein. Mais ça, je l'avais déjà dit. Hein. Je sens vraiment très peu d'aisance. Le seul qui me donne de l'aisance technique dans cet effectif, c'est notre ami Fernandez, Nico, notre capitaine. Où tu sens que lui, il a le niveau d'aller jouer plus haut. Hein, mais. Oh, tu vois, toi, tu fais une erreur. Et derrière, t'as Zidane qui te sauve. C'est incroyable, comme on a de la peine. Allez! Faut tenir le coup les gars, on est en équilibré, je vais passer en offensif parce que franchement j'ai pas l'impression qu'on est capable de se montrer dangereux. La bonne récupération là-bas justement avec Fernandez qui peut partir sur notre meilleur buteur. Allez la montée, Morientes.
Et Morientes qui loupe cette balle, ouais. Eh, Morientes, il loupe cette balle. C'est compliqué, hein. Et eux, ils sont en place, hein. Eux, ils sont en place. Après, je me dis des fois, est-ce que Nico et les Zidane, les deux ensemble, c'est pas trop léger au milieu de terrain? Des fois, je me pose cette question. Allez, Garcé. Bien joué, mon gars. Allez, égalisation. Juste avant la pause. C'est bien. Purée. Garcé, il y a quand même... C'est quand même qui? Pourquoi t'as pas choisi Bordeaux? Ils auraient besoin d'aide. Pour moi, je... Ouais, mais Bordeaux, frérot, c'est juste que bah, malheureusement, ils sont plus là l'année prochaine. Donc, et puis que je voulais changer, quoi. C'est vu et revu, Bordeaux, la France, on a vu, quoi. Salut Lucas, comment tu vas? Ah, attendez, en fait, j'ai oublié un truc, les gars. Excusez-moi, j'ai oublié de faire la pub sur YouTube. J'ai oublié de mettre la pub sur YouTube. C'est important, ça. Parce que bah, c'est ce qui fait venir du monde aussi, hein. Vous avez une communauté sur YouTube, faut quand même qu'il bascule. Eh bien, faut quand même qu'il bascule aussi sur Twitch, ce serait cool. Alors, hop là. Mon dernier live, c'était il y a 3 jours, donc on est correct. Voilà. On va voir si ça vient, s'il y a des petits nouveaux, hein. C'est toujours sympa d'avoir des petits nouveaux. Moi, ça va bien, merci. On est ensemble, on est en forme. Allez, concentration maintenant. Parce que dans le contre Andorre, on avait surtourné assez vite la situation. Mais derrière, on est retombé dans nos travers. Donc il faut réussir à faire la bonne perf. Allez, on part tout mi-temps. Dans les changements, on pourrait en faire, mais on attend un petit peu aussi. Allez, c'est parti. Oh là là, là là, là là, là là, là là, Salinas. Et je vais être sincère avec vous, je trouve que Nico Paz et Zidane, ça progresse très peu pour le nombre de matchs qu'ils jouent en fait. Ouf. Leverkusen champion une deuxième année consécutive. Bah, au vu des joueurs qu'ils n'ont pas perdu, si tu prends les mêmes et on recommence dans la dynamique et tout, ça peut faire très mal. Donc, c'est pas déconnant d'y penser, mais c'est pas non plus déconnant de pas couler le Bayern. Après, le Bayern, il y a un nouveau projet, un nouveau coach. J'y crois pas trop, coach, pour être sincère avec vous. Je suis moins hypé, tu vois. Je trouve que quand tu vas prendre le gars qui était dans les derniers de Première Ligue, c'est que tu vas quand même pas me dire que le Bayern n'avait pas d'autres idées, quoi. Donc, voilà, moi... Je veux pas me trop avancer. J'attends de voir la fin des mercato aussi. De voir qui part, qui reste. Et surtout qui arrive. Parce que je pense que pour le Bayern, c'est ça qui fait le facteur. Je pense sincèrement que le Portugais Paulina est une excellente recrue pour le Bayern de Munich. Mais une recrue ne va pas révolutionner le jeu du Bayern. Donc voilà. Bien joué. Chelsea qui va signer encore un gardien. Ça fera le 8e gardien de l'effectif. C'est une dinguerie, hein. J'ai vu Adeyemi Alayouf, première offre officielle versée aujourd'hui. Je crois qu'on est à 35 plus 10 de bonus. On verra si un accord peut être trouvé. Mais bah, il est clair que bah, l'offre est intéressante, hein, pour Dortmund qui cherche à le vendre. Après, bon, bah, c'est clair que si Dortmund en demande un pactole, difficile de trouver un accord. Osimhen à Chelsea, j'ai vu. Bah, en vrai, c'est pas déconnant, ils ont pas d'attaquants. Donc, ou pas de grands attaquants, quoi. Donc c'est pas déconnant. Tout ça, c'est pas déconnant, les gars. Après, Osimhen, le problème, c'est pas Osimhen en soi. Le problème, c'est le président. Il y a faute, arbitre. 50 millions, pas moins. En parlant, ouais, je suis d'accord, 50 millions, pas moins. Après, la volonté du joueur... Pas oublier qu'un joueur, ça, la volonté d'un joueur, au bout d'un moment, le temps est toujours avec le parti qu'il souhaite acquérir. Si tu as un accord avec le joueur, le temps va avec toi. C'est-à-dire que le temps avance, tu te rapproches de la date fatidique, le joueur a annoncé son intention de partir, le club a meilleur temps de se débarrasser d'un salaire et d'un joueur pour le réinvestir, dommage cette tête, de réinvestir l'argent, mais aussi le salaire libéré si ce dernier part. Et au bout d'un moment, tu fais quoi? Tu gardes un joueur dans ton effectif qui ne veut pas rester. C'est la Juve est dans le même dilemme avec Chiesa, hein, finalement.
Ces joueurs-là, ils ont besoin de jouer. Ils ont des valeurs. Le fait qu'ils ne jouent pas, ça va les faire baisser en valeur. Donc, t'es obligé de jouer avec tes joueurs. Même si tu ne les veux pas. On est dans deux cas bien différents parce que on a d'un côté un Chiesa qui ne voudrait pas forcément partir, mais c'est surtout un Thiago Motta qui ne veut pas travailler avec lui, ça c'est un fait. Et puis de l'autre côté, on a plus sur un Adeyemi qui voudrait partir et un Dortmund qui ne serait pas contre le conserver. Donc on est sur deux scénarios bien différents, bien différents. Mais Dortmund en soi, si Dortmund ne trouve pas un accord avec la Juve rapidement, maintenant, plus le temps avance, plus le temps va jouer contre eux. Parce que l'accord avec le joueur, ils l'ont déjà. Le joueur a dit oui à la Juve. Et tu fais quoi? Tu gardes un Adeyemi qui ne veut pas faire partie du projet une demi-saison ou une saison? Tu perds du temps, très certainement de la valeur. Si Sahin a dit qu'il voulait pas, Adeyemi voulait partir, c'est qu'il ne veut pas rester au club et qu'il aura moins de motivation. Alors oui, tu peux aussi miser sur le fait que de la motivation peut revenir. Ça, c'est un fait, c'est vrai. Mais ça n'enlève en rien le fait que bah, tu dois trouver une porte de sortie à tes joueurs qui ne veulent pas rester. Hein, et ça, c'est un fait. Hein. Bienvenue à toi, mon ami. Bienvenue à toi, première fois sur le chat. Ça fait plaisir. On est un échange Chiesa à Adeyemi. Je ne sais pas si Dortmund aurait... Je pense que n'importe quelle équipe, toutes les équipes peuvent avoir un intérêt pour Chiesa, je pense. C'est possible. Non, je regarde pas le mercato des clubs africains. Je suis pas intéressé par les mercato des clubs africains, désolé. Surtout par manque de connaissances, hein, simplement. Hein. Oh là là, la parade. La grosse parade. Salut Tim, comment tu vas? Allez, un nouveau corner. On parle. Allez, bon live. Bon job, Vincente. On parle, mais on est en train de les taper 2-0 alors qu'on perdait 1-0. C'est bien. Moi, ça va bien, je te remercie. Ça va nickel, bienvenue à toi à nouveau. Pas du tout la première fois hein, pour toi. T'es très présent la semaine dernière. Tu l'étais à plus d'une reprise. Merci à toi de ta fidélité. Allez. Xobot. Qui va très vite. C'est une de ses qualités, Xobot. Ça va très vite pour Xobot. Allez, peut-être le premier but pour Xobot. Le premier but pour Xobot. Magnifique, notre petit Hongrois. La recrue du mercato hivernal. Qui vient faire très mal. Vous savez que je préfère limite jouer avec ce garçon qu'avec Morente. Que je trouve un tout petit peu, je n'ai pas envie de dire lent, mais pas très très rapide. Bon, on va gagner ce match, c'est bien. Et là, les gars, on croise les doigts pour un faux pas de Tenerife. Hein. C'est normal que je me régale chaque après-midi depuis que je travaille la nuit. Je peux te regarder l'après-midi. Ouais, bah, c'est ça qui est cool. C'est ça qui est cool, les gars. Alors, 4-1. Je suis en ultime, les gars. Comme toujours. Ok, 4-1. Est-ce qu'on a des bonnes nouvelles? S'il vous plaît, une bonne nouvelle. Oui, on leur met la pression. Ça fait combien de saisons que tu as commencé ta carrière? Je suis à ma première saison. Et bienvenue à toi du coup. Allez, on croise les doigts les mecs. On leur met la pression. On a les rapports qui tombent, c'est bien dommage parce que bah, c'est trop tard. On a... possiblement... classement, ils ont gagné. Purée, c'est pas possible. Et ils ont gagné. Alors, on peut reprendre de l'avance sur Cadiz, mais on peut potentiellement avoir Almeria qui nous colle au basque après. Donc, et c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Ce qui se passe, c'est une dinguerie. C'est vraiment fou, quoi. Juste regarder un tout petit peu les sessions d'entraînement. Là, on a 36 semaines, ok. 14, 16... Ouais, on va le laisser en équilibré. Ok.
Alors, de toute façon, on n'a pas une équipe de fous malades, on le sait, mais quand même, regarder le développement de nos joueurs, c'est important. Tac, 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 tac. Febas. Febas, lui, j'aurais reçu une offre, je l'aurais vendu, Febas, je pense. 13 semaines, là, il faudrait quand même qu'il travaille son mauvais pied. Hein. Zidane, 11 semaines. Et lui, c'est un profil qui, je pense, peut vite progresser. Nico Fernandez, lui, il est vraiment en train de faire vraiment une très très grosse saison, Nico Fernandez. Garcé, ok. Kevin Carlos, ça va revenir plus fort, on sait. On a confiance. Et voilà. Kevin Carlos, combien de temps de convalescence encore? Encore 3 semaines. Ouais, on a possiblement Kevin Carlos qui pourrait être disponible bientôt. Mais il faut prendre notre mal en patience. C'est parti pour ce match. On n'affronte pas les équipes les plus sexy, hein, du championnat. Mais il faut faire des points, il faut gagner. Comme d'habitude, on connaît la chanson, hein. C'est ultra, ultra important. Ce serait bien de encore une fois sortir une bonne perf, gagner ce match, parce que franchement, ce serait plutôt signe de bon augure. C'est parti! T'as des bons défenseurs? On a des défenseurs corrects, hein. On construit un projet de A à Z, hein, encore une fois, comme je l'ai dit, hein. On construit un projet de A à Z. On a, pour moi, hein, on a deux bons latéraux avec Souza et Salina. Vraiment, deux très très bons joueurs. On manque un peu de qualité. On manque un peu de qualité. Peut-être Gonzalez en défense centrale. Il y a très peu de potentiel d'amélioration. C'est un joueur aussi confirmé. Donc il faut aussi un peu d'expérience. Il a 28 ans. Il n'est pas non plus vieux. Hein, mais il peut apporter de par son expertise. Allez, Marc, s'il te plaît. Yes! Grosse absence dans leur défense. Allez, 1-0. Pour une fois, c'est nous qui ouvrons le score. Et Bobby Sey, on va pas se le cacher, qui fait quand même sa saison, hein, le type. Lui qui est arrivé cet été. C'est quoi ton premier mot de carrière? Waouh, mon premier mot de carrière. Mon premier mot de carrière, c'est FIFA. FIFA. Que je vous dise pas de bêtises, 2006. Il siffle quoi? Une faute de main. C'est FIFA 2006, du coup, mon premier mode carrière, les gars. Et vous, les gars, mettez-moi dans les commentaires vos premiers modes carrière, là. Je veux voir un petit peu, là, les anciens, là. Oh, reste debout, reste debout. Oh là 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 là, Zidane. Prends la prochaine saison à taux. Il est hyper fort. C'est pas du tout réaliste, par contre. Allez, on tient. On calme. Zidane qui calme. En 2011 pour Team. Ah, il est vraiment en train de faire un gros match. Et Bobby Sey, excellent mouvement. La fin de corps et la finition, 18e minute de jeu. On est bien, on est bien. Pas réaliste, exactement. 18 pour Lucas. Des belles années, hein, FIFA 18, très bon jeu. FIFA 17 aussi, FIFA 16. Ok, 2-0. Et Bobby Sey qui nous met doublé. On est bien. Et c'est encore le même qui repart de l'avant. Oh là là, il y a le défenseur. Sinon, c'était le troisième. Dommage. C'est bien, les gars. On est bien dans le match. J'ai même pas vu leur classement. Je pense qu'ils doivent pas être très très haut aussi. Mais pour le moment, on sort à une presta plutôt solide. Ouais, Nico Paz qui va de son petit but, c'est bien. 3-0.
À l'Ajax, en prêt, oui, c'est quand même un club qui sait développer les jeunes et tout, mais je pense pas qu'un Matistel aurait un intérêt de signer définitivement à l'Ajax. C'est mon point de vue, hein, mais... La belle finition. Ouais, c'est parfait. 3-0 à la 32e minute de jeu. Je pense qu'on n'est pas... On peut le dire, on est tranquille. Ça va me permettre aussi peut-être de faire tourner. Et ça, c'est pas plus mal. Déjà à la mi-temps, faire des changements. Ouais, bien joué. Maxime Under va partir du TSG sur ce mercato, selon toi. Alors... C'est compliqué de dire. C'est un super joueur. Je dirais qu'il aurait la capacité, je pense, d'être un bon futur attaquant. Vraiment à la buteur à potentiel, c'en est un. Ça, c'est indéniable. En fait, le seul truc, c'est que si lui, il était anglais, mais les gars, on en entendrait parler partout, hein. C'est juste qu'il est allemand, il est au TSG Hoffenheim. Je pense que des scouts, il y en a sur lui, c'est indéniable. Mais par contre, c'est juste que... Voilà, c'est le TSG Hoffenheim. Pour moi, hein, c'est... Quand tu vois Manchester qui fonce sur un Højlund, bah, Maximilian Bayer, tu peux foncer dessus. Hein, parce qu'on est sur, on n'est pas sur un joueur qui avait plus prouvé que Højlund au moment où il signe à Manchester. Et Højlund, si tu regardes, il a raté ça, carrément. Incroyable. Højlund, si tu regardes, c'était quoi, 9 buts en une demi-saison, quelques bonnes perfs en Champions League avec l'Atalanta, mais on n'est pas non plus sur un jeune grotesque, quoi. Mais par contre, ça part au Bayern, à Manchester. Et là, pour moi, on est plus ou moins sur le même discours. On n'est pas non plus sur un joueur transcendant. Pour moi, il pourrait... par contre, c'est un joueur qui peut clairement... être la machine qu'on attend de lui, c'est-à-dire le joueur très très fort, quoi. Donc j'attends un petit peu, je me réjouis de voir ce qui va se passer. Pour moi, c'est un joueur clairement sur lequel tu peux miser, parce que t'as j'ai très peu de doutes sur le fait que ça ne fonctionne pas. Dommage. Est-ce que pour Guillaume Reyes va percer dans le football? Moi, je pense que oui. Bah, Guillaume Reyes, il a tout pour, hein. Il a tout pour. Je trouve qu'il a un choix de... Pour le moment, il a une carrière qui est cohérente. Est-ce qu'il va rester à Toulouse maintenant? Ce serait pas non plus déconnant de le voir partir, mais ce serait aussi correct de le voir rester dans son club formateur pour le développement. Je prends un but. Bienvenue à toi, GN. CGN, on va taper comme ça. Ouverture du score. Enfin, réduction du score, pardon. 3 buts à 1. Attention quand même. Un peu de cafouillage, un ballon mal dégagé et le but qui rentre, ça va vite. Hein. Ah, bien joué, bien joué, bien joué, bien joué, mon petit. Tu peux m'appeler Emeric, alors on t'appellera Emeric, frérot. Allez, la finition. Triplé des Bobissé, mais surtout encore un fait de jeu important pour notre jeune Hongrois numéro 9. Xorbot qui vient donner une passe de but. Pour l'instant, pas de rumeur en voyant Rest autre part, donc je pense que Rest va rester à Toulouse. C'est qui ta passion du mode carrière? Les gars, écrivons quand même un minimum en français. Je pense que tu veux dire c'est qui m'a passionné du mode carrière, je pense. Mais j'attends confirmation avant de répondre à ta question. Ouais, je me suis un petit peu emballé. Moi je suivais comme beaucoup Flonox. C'est lui qui m'a donné envie de... Au début, je commentais tout seul dans ma chambre, sans m'enregistrer. Et après, ben, arrivé SD. Et puis après, ben, voilà, quand on s'est lancé, hein, on a pris la place qu'il y avait à prendre. Hein.
petite qu'elle est, aussi petite qu'elle est, la mienne, j'ai ma petite place, quoi, voilà. On a la perte de balle. Zidane. Dalinga qui a signé à Bologne. Bon coup en vrai. Et Bologne sur Léo Balerdi suite au départ de Calafiori. Bah, et puis surtout qu'ils ont récupéré l'argent. Calafiori, du coup, ça vend à combien? 50? Vous vous rendez compte? Vous vendez un joueur 50 millions, mais tu en dois 50%. À son club, à son précédent club. C'est une dinguerie, hein. Oh là là. C'était une dinguerie. Si je marquais ce but, c'était une dinguerie. Ah, je la touche en dernier en plus, incroyable. Ah, dommage, dommage, dommage. Vous savez que le petit Xobot, je pense qu'on va vraiment tenter de titulariser. Salut Adam, comment tu vas? Bienvenue à toi sur le chat. Allez, on va repartir. Oh, la balle qui est loupée, dommage. Pas sûr que si je on reçoit une offre entre 30 et 40 millions pour Balerdi, franchement, c'est bien vendu, je trouve, hein. Je veux bien qu'il a fait de bonnes choses chez vous la saison dernière. Mais quand même, 30 et 40 millions Balerdi, moi je trouve ultra bien vendu. Hein. On parle d'un joueur qui a fait une bonne saison. Hein, dans un club qui, à part, de manière générale, fait une bonne saison d'ailleurs. Hein. C'est ça qui est un petit peu drôle dans l'histoire. Oh, Garcet qui rate ça. Salut, Weck, comment tu vas? Je pense que Sainté va faire une bonne saison. Je pense qu'en tout cas, leur mercato, il est pas dégueu. Il est pas dégueu, il est intelligent. Je pense qu'il faut avoir la tête sur les épaules en disant que Saint-Etienne sera capable, je pense, de se maintenir. Il y a aussi un point qui est très très important à ne pas sous-estimer, c'est la dynamique positive d'une promotion, ce qu'elle peut engendrer. Je pense qu'il y a... J'ai vu 2-3 recrues, ils ont été chercher l'ancien capitaine de Reims, c'est un garçon, sauf erreur, hein. C'est un garçon qui a de l'expérience, qui va pouvoir apporter... en défense centrale, ça c'est plutôt un coup intéressant, je trouve. C'était un profil bien. Il en faut des profils comme ça. Hein. C'est vrai que tu t'engages sur un joueur, tu sais que tu vas pouvoir travailler avec lui. Allez, peut-être 2 saisons, si tout va bien. Mais il en faut. Et après, il y a le Géorgien qui arrive en provenance de Bordeaux. Je sais que malheureusement pour eux, il n'y aura très certainement pas l'arrivée de Cardona qui avait été très bon. Ça aurait été un superbe coup. Balerdi a été acheté pour, si je ne me trompe pas, moins de 10 millions en provenance du Borussia Dortmund. Ok. Salut micro. Salut Léo, comment tu vas? Bienvenue. Bienvenue à toi. Ok les gars, on est quoi sur 2 victoires? On est leader et on a un match d'avance et on met la pression à Tenerife. Par contre là, ça va pas être facile parce que Eibar c'est jamais facile. Et Tenerife me rend franc fou. Tenerife gagne. Tenerife gagne, il n'y a pas d'autre terme. Tenerife ça gagne. Est-ce qu'on pourrait avoir potentiellement un... Il y a de la fatigue là. Ah non, ça va. On n'a pas. Et ça, c'est la dinguerie quand même. On n'a pas de chance. Ils sont ultra, ultra, ultra dans leur dynamique. Ils sont ultra cohérents avec nous, quoi. Ils nous suivent. On va prolonger Salinas, qui n'est pas content de son contrat. Par contre, moi, je vais négocier sans option d'achat. Brest qui signe à York et un accord avec l'Inter pour Satriano. Satriano, c'est malin. Satriano, c'est malin de la part de Brest. 2 ans, ouais. José Salina, quand même, c'est quand même une valeur sûre de l'effectif. C'est une des rares valeurs sûres qu'on avait dans l'effectif au moment où on a repris l'équipe. Donc, on va faire le nécessaire pour le conserver. Qu'est-ce que quoi sinon? Toi, il faut qu'on prolonge. Ouais, il faut vraiment que ça prolonge. Par contre, moi, les gars, je peux pas... Les options d'achat à 3 millions, là, c'est impossible. On n'est pas dans la capacité de... On n'est pas dans cette capacité-là. On va le signer 2 ans. Alors,
On va mettre... On va doubler. On double. Mais oui, on double. C'est content, allez. Il faut vraiment qu'on les chouchoute. Mendes, lui aussi, c'est un joueur important. Par contre, tu vois, lui, tu me mets 5 millions sur lui, ça, je dis pas non. Donc, tu vas accepter l'option d'achat. Parce que, de toute façon, à son âge, il va pas beaucoup progresser. Ok, ok. Putain, Mendoza, il a bien progressé, lui aussi. Hein. Sorloth qui va à l'Atlético de Madrid. Sainté devrait prendre, peut-être, Boisdu. Tu connais, sérieux ? Mais comment vous financez un Boisdu ? C'est une dinguerie, Boisdu. Il est trop fort. Boisdu, c'est vraiment un super prospect, hein, si vous l'avez. Hein. Vous savez, les gars, j'ai oublié de prendre l'eau. Je vais te chercher un verre d'eau et j'arrive. Là. Alors Boisdu, franchement, si Sainté fait le coup Boisdu, là je dis bravo. Alors je vais juste changer un truc, faut que je mette constamment notre petit Lopez. Et là, Xorba, je le mets titulaire parce qu'il a été trop, il est vraiment trop intéressant. Je pense vraiment qu'on est sur un bon joueur là. Il a quel âge Xorba? Xorba, ça a 23 ans, mais c'est vif, c'est précis. J'aime beaucoup le profil, il me fait beaucoup penser à un Nico Fernandez. Donc voilà. Bon, et Bobby C, faut nous remettre des buts. 16 buts, meilleur buteur du championnat. C'est nous qui l'avons. Je pense qu'il devrait faire aussi potentiellement. Imagine, tu montes pas avec le meilleur buteur du championnat. Bon, bah, tu peux être sûr qu'on le perd. Hein. Je pense qu'il y a des clubs qui vont venir le chercher. Bon travail tout de suite de Zidane. N'arrive pas à sauver cette balle. C'est un vrai bon match, hein. Eibar, c'est jamais facile à jouer. On les avait battus, je me souviens. Débordement, le centre, deuxième poteau, la balle en retrait. Xorbot, la balle qui est dégagée. Allez, c'est bien. Alors, par contre, Sorloth à l'Atlético, je trouve bien pour lui. Parce que... c'est vraiment pas un mauvais joueur. Il m'a impressionné parce que la saison dernière, j'ai été voir un match à Villarreal. Et j'ai été impressionné par la qualité du bonhomme. Sa capacité. Wow. Zidane, 1-0. Ça joue super bien. Hein. Super bien joué, 1-0 Eibar. J'ai été impressionné par sa capacité à garder les ballons. Et du coup... à garder les ballons et à faire remonter un bloc équipe. Ce que je veux dire par là, c'est que tu peux lui donner le ballon, il est capable de te le garder, il est capable de te le conserver, il est capable de jouer dos au but, il est capable de faire extrêmement bien un jeu en pivot aussi. Et c'est un profil très très bon sur l'autre. Et je suis content pour lui parce que je sais qu'à Leipzig, ça avait été difficile, à la Real Sociedad, ça avait été difficile, à Villarreal, il avait enfin réussi un peu à perf. Donc je suis content pour lui. Et du coup, c'est un transfert évalué à combien sur l'autre? Parce que c'est quand même un gars qui a mis une petite flopette de buts, hein, la saison dernière, donc qui avait la cote. Après, on n'est pas sur un prospect qui a 22 ans, quoi. Donc, on n'est pas non plus sur un transfert à 50 millions, je pense. Mais... oh là là, la parade qui me sort. Magnifique. Et là, il est encore là. Ok. Tu as déjà choisi tes clubs pour le mode carrière sur FC25. Non, pas encore, les gars. J'ai des idées. Je sais de toute façon. 35 millions. Bah, c'est bien vendu. Bravo à eux. J'ai des idées. Je sais déjà que de toute façon, en Ligue 1, je vais pas prendre un club. Oh, la relance. Je vais pas prendre un club qui est qualifié en Europe. Ça, c'est sûr et certain. C'est souvent ce qu'on me demande. Quel sera le prochain club que tu prendras en Ligue 1? Là, on a pris Lyon. Je pense que c'était vraiment la bonne année pour prendre Lyon, d'ailleurs. Ah, je dois mettre la tête.
Donc voilà, pour le moment, je ne sais pas. Je suis un petit peu en train aussi d'attendre ce que vont faire mes collègues. Hein. Ça, c'est important parce qu'on se doit aussi de vous proposer diverses choses. Hein. Ça, c'est très, très important. Donc voilà. L'année dernière, par exemple, j'avais tout préparé, les miniatures pour Aston Villa. Et j'ai dû revoir mes plans avec l'arrivée de la carrière de monsieur Nano. Et du coup, bah hop, tout changé pour aller faire une carrière avec finalement Leverkusen, j'avais fait. Donc voilà. Salut à toi, le Marseillais baby, comment tu vas ? Bienvenue. Et je vois qu'on est de plus en plus hein, à venir en live sur la chaîne quand on tourne la carrière avec Elche, ça fait plaisir. Hein. Putain, on joue sur des trop petits espaces. Salinas, il a de la peine aujourd'hui. Et penalty. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie le nombre de pénaux. Ça sent le vrai Olympique en carrière. Il n'y a pas que Marseille. Hein. Yes! Bien joué, petit Zidane. Bien joué, fils à Zidane. Et il faut vraiment, vraiment, vraiment qu'on se réveille en deuxième mi-temps parce qu'on est en train de dormir. Ça va bien, je te remercie. On fait une première partie de match catastrophique. Mener 1-0, quasiment pas d'action dangereuse. Nos hommes forts, on les voit pas. Le seul qui s'est montré un peu dangereux, c'est Nico Williams. Fernandez, pardon, pas Williams. Si seulement, on avait dit Nico Williams. Et Garcia qui égalise. Perte de balle et tout de suite, ça punit. C'est bien, bravo les gars. Est-ce que vous avez vu ce qui se passe dans le championnat suisse ? Je sais que c'est un championnat qui est moins médiatisé. Mais il se passe une dinguerie dans le championnat suisse. Et d'ailleurs, il y a un ancien Nantais qui a fait la grande une des journaux suisses, surtout de l'actualité sportive en Suisse ce week-end. Est-ce que vous savez ce qui s'est passé ? Un partout. Salut Olivier, comment ça va ? C'est ça, c'est lui. Bah lui, mon gars, il s'est fait, mais j'ai rarement vu un gars se faire autant démonter par son gardien de but ce week-end. Alors il se passe que l'actuel double tenant du titre, Young Boys, qui a remporté les 6 championnats sur les 7 dernières années, est actuellement, accrochez-vous bien, après 3 journées, dernier avec 0 points, déjà, est actuellement a pris, alors attends, ils ont commencé par le néo-promotion qui vient de remonter. Ils ont pris, bon il y a un fait de jeu, il y a un rouge, mais ils ont pris 3, hein. Donc c'est une dinguerie. Là où Sion n'avait pas gagné à Berne depuis, je crois, mon année de naissance, depuis 28 ans. 29 bientôt. Donc c'est une dinguerie. Premier gros truc. Ensuite, ils vont se déplacer à Servette. Et Servette, c'est fort, hein, je vous dis. Servette, c'est une des plateformes vraiment très fortes en Suisse, capable de gagner, de monter. C'est une dinguerie, Servette. Et ils vont à Servette à Genève hein, en semaine. J'ai pas trop compris pourquoi au bout de la deuxième journée il y avait déjà des matchs en semaine, mais c'est le football suisse. Ils vont se faire taper 3-1 à Genève. Et ce week-end, déplacement à Saint-Gall avec Madsens comme entraîneur à Saint-Gall maintenant, hein, l'ancien entraîneur de Augsbourg. Et ils se sont fait littéralement péter 4-0. Des erreurs défensives de malade. Justement, Ajram, il s'est fait démonter par son gardien. Violent. Mais violent, violent. Hein. Faut voir la vidéo, Marc. Non, tu peux pas.
Oui, il y a le niveau de Alex Hunter. Ah, il s'est fait mais démonter. Alors, en fait, il perd un ballon. Il a aucune réaction sur la perte du ballon. C'est violent, hein. Et derrière, t'as le gardien. Il y a la frappe. Ça passe juste au-dessus de sa barre. Tu vois qu'il fuit du regard le ballon. Il y a déjà, à ce moment-là, je crois, 4-0. Hein. Il voit que ça va au-dessus. Le gars, il se pose pas de questions. Il sprint sur lui. Il le prend par le col. C'est tellement violent. Et c'est là où c'est fou, c'est que la saison dernière, comme ils disaient les consultants en Suisse, ils disaient mais c'est dingue parce que la saison dernière, ils ont fait champion quoi, donc ils étaient solides quoi. Et là, il n'y a plus rien à retirer quoi, c'est une cata. On va se mettre en ultra off. Et en vrai, les Nantais, ça pourrait être une belle carrière manager, en vrai. Impossible, c'est impossible. Oh. Non ! Incroyable. Bon, on a loupé les actions quand même. Hein. Quand tu regardes, on les a eu les tirs. Hein. Oh. T'imagines là s'il est pas là? C'est but. Hein. Bien joué. Ok. Ce serait très bien une carrière avec Nantes. Pourquoi pas faire une carrière avec un club de Ligue 2 genre Red Star? Ça pourrait être une possibilité, hein. Ça pourrait être une possibilité, les gars. Je savais que ça allait être un match compliqué, celui-là, mais... Bon, on a joué une bonne équipe. Faut reconnaître qu'on a joué une équipe solide. On a joué une équipe très très solide. Donc voilà. Alors, Carthagène, on est premier. On a à égalité de points. Donc ils peuvent prendre 3 points d'avance. Purée, c'est une dinguerie ce championnat. Quand ils réfléchissent, c'est une dinguerie. C'est à devenir franc fou. On pourrait pas avoir un rapport de recruteur. Joueur blessé, le retour du blessé. Kevin Carlos, oui. Kevin Carlos est parmi nous. Ouais, attends. Oh là là, ils me mettent la pression. Ils ont gagné deux... Ils ont joué deux matchs. Ils avaient deux matchs en retard. Ils ont joué deux matchs. Ils ont gagné les deux matchs. Du coup, ils ont 6 points d'avance. Donc, si on gagne, on revient à 3 points. Allez, les gars, je vous dis, hein, on va se battre avec Tenerife jusqu'à la fin. Il n'en restera qu'un, les gars. Et je peux vous garantir que ce sera nous. Malheur aux vaincus. Allez, on va juste faire un changement. Je vais mettre à la place de Zidane Mendes un coup. Allez les gars, pour toi Griezmann doit rester en Europe. Je pense qu'il a encore de bonnes choses à apporter au vu de sa saison à l'Atlético. Mais je pense que le train du départ aux States ou en Asie ou ailleurs pourrait bientôt arriver pour lui. Allez, c'est parti les boys. Carthagène. Faut gagner ce match, hein. Faut pas chipoter. Bien joué. Il y a une petite faute, non? Non, 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 non. Attention. Pourquoi j'ai l'impression qu'ils jouent tous super bien contre nous. Oh, ça passe au-dessus.
soit en Liga, mais tu veux quoi, Rames? Tu veux genre une carrière un peu en mode décrocher l'Europe? Tu veux une carrière avec un club qui a des objectifs de titre? C'est un peu ça qui peut déterminer un choix. Parce que tu vois, si tu veux une carrière en mode décrocher l'Europe, il y a plein de clubs intéressants. Une carrière où tu es en mode plus décrocher le titre, t'as qu'à prendre un mastodon, puis c'est fini, quoi. Magnifique, hein, celle-là. Hein. Là, t'as toute la classe d'un gars en confiance. Elle est belle, hein, cette frappe. Hein, bien joué. 1-0. Ça fait plaisir. Allez. On est ensemble. Et combien on est de followers sur cette chaîne Twitch à part ça? Parce qu'on est quand même sur un objectif qui n'a pas été rempli la semaine dernière, mais bon, c'est pas grave. C'était de taper les 400 followers sur Twitch. On est 20 actuellement. Et on est à 391. Les gars, écrivez à vos potes. Il faut qu'on tape les 400. Si on tape les 400 joueurs, ce serait ouf. 17e but en 28 matchs pour ce type. Construire une équipe qui n'a pas gagné depuis des années, un bon challenge. Ouais, mais après, tu vois, le problème, frérot, c'est qu'une équipe qui n'a pas gagné depuis des années, tu peux prendre quasiment les deux tiers de n'importe quel championnat. C'est constamment les mêmes qui gagnent, tu vois. Après, si tu me dis ton objectif, c'est de retrouver l'Europe et puis de la jouer à fond. Tu vois, moi, genre, j'ai fait Osasuna en Espagne. C'était génial. Je me suis régalé. Osasuna, vrai, vrai beau projet. Je me régale. Bien joué, Garcé. Bien joué, bien joué. 2-0. C'est bien. Super job de Garcé. Garcé, les gars, on est bien content de l'avoir. Hein. Prêté par l'Atlético de Madrid, je vous dis. Hein, moi, je garde un œil sur lui hein, parce qu'il nous en met des buts. Hein. 2-0. Là, il fait un très gros job. Le crochet sur le défenseur. Il se relance. Il arrive face au gardien. Il arrive à le battre ensuite. On est sur une masterclass. Ça fait 2-0. Oui, en quelque sorte, retrouver l'Europe. J'aime beaucoup les cas réalistes, mais j'ai peur de faire des actes qui ne le sont pas. Mais dans ce cas-là, frérot, venez sur Instagram. Alors, bien sûr, je ne suis pas tout le temps dispo. Mais venez sur Instagram, écrivez-moi, et puis moi, je vous réponds avec plaisir. Alors, je ne me fais pas de chichi, moi, à vous écrire des pavés, hein, vous saurez. Moi, je vous fais des audios. Mais c'est toujours avec plaisir. D'ailleurs, je me suis dit, ça pourrait être un concept de vidéo. C'est de vous donner des conseils dans vos career managers. C'est-à-dire de récupérer, de vous laisser l'opportunité de m'écrire sur différents supports. Et puis moi, je vous donne des conseils en career manager. Ou alors tu finis ta saison 1 et puis tu me dis, bah voilà, qu'est-ce que tu penses de ma saison, de ma carrière, etc. Et moi, je prends le temps de l'analyser, de te faire une critique à ma manière. Hein, voilà. Et puis toi, bah après, t'en fais ce que tu veux. Mais ça pourrait être ouf. Je me dis que ça n'a jamais été vu, ça. On a SD qui démonte les plus belles carrières des abonnés. Moi, je voudrais vraiment avoir un suivi personnalisé. Et ça serait ouf. N'arrive pas. Moi en Espagne, je suis avec Mallorca et Darder, il est trop fort. Ouais, c'est un super joueur, Sergi Darder. Il fait jouer son équipe. C'est un gars qui peut te faire jouer n'importe quelle équipe. Ah, dommage! Ça dégage! On doit conserver. Bon, on est bien dans ce match, hein, les gars. On va à la mi-temps, il y a 2-0. On est bien. On est solide, il n'y a pas... C'est mouche, c'est une salle. Ça. Voilà, je vais pas dire la suite. Allez. Et du coup, pour vous, les gars, sur la saison écoulée, c'est quoi l'équipe qui a été la plus grosse surprise pour vous? Qui vous a le plus choqué? Qui vous a le plus impressionné? Que vous attendiez peut-être relégué, puis finalement qui s'est maintenu avec brio? Ça dégage.
Valence en Ligue 1, sympa aussi. Ouais, mais tu vois, Valence, t'as quand même un club qui a un gros passé, quoi. Ça a été en finale Ligue des Champions. C'est pas non plus le petit club, quoi, tu vois. Mais oui. Je sais pas, assez fort, ça. Honnêtement, Brest m'a surpris. Je pense comme plus d'un. Mais c'est pas moi ma surprise, perso. C'est pas ma plus grosse surprise pour ma part. Heidenheim, c'est une très belle surprise, c'est vrai. C'est pas non plus l'équipe qui m'a le plus surpris, mais c'en est une très très belle. Faire les changements parce qu'on est en train de se promener. Là, il y a tout qui se passe bien. On va faire rentrer Moriente. Oh, bah, on va sortir le Capi un petit coup. On va faire rentrer Zizou. Lopez en défense centrale. Et le retour de Kevin Carlos. Kiki, comment tu vas? Tu joues avec des régènes? Non. On me cite Bologne. C'est vrai que c'était une des... Moi, vraiment, hein, si je devais dire pour moi, les gars, je vous dirais... Je pense que je vous dirais Bologne. Bologne et Riron. Pour moi, c'est les deux plus gros. Certains citeront... Vous voyez, aucun d'entre nous a sur... Ah si, on pourrait citer Stuttgart aussi. Pour moi, je vous donne un exemple. Stuttgart est une plus grosse surprise que Leverkusen. Pour ma part. Parce que c'est une équipe qui a énormément de budget, qui a énormément de... Voilà, il y a des choses qui sont mises en place, donc ça ne me choque pas de les voir si haut. Mais Stuttgart, quand tu sais qu'ils se maintiennent la saison dernière, je suis plus surpris. Une carte qui peut être pas mal, je pense, c'est Malaga. C'est vrai. Faute au départ d'action. Le problème, les gars, c'est qu'il n'y a personne au centre. Ils sont mes attaquants là. J'ai joué avec deux pointes, ils sont même pas dans les centres. Allez, c'est bien, on défend bien. La belle parade et il y a hors-jeu. Ouf. Aston Villa aussi. Oui, mais encore une fois, Aston Villa, ça a des moyens. Leverkusen, ça a des moyens. Là, on parle de Rirona, il n'y a pas de moyens. Ok, c'est dans le City Group, mais voilà. Stuttgart, il n'y a pas beaucoup de moyens, hein, pas plus qu'un autre club allemand. Et les gars, ils se sont retrouvés à jouer... ils vont jouer à Champions League, quoi. Magnifique. Très, il est vraiment pas mal, hein, le petit Xobot. Moi, je kiffe de ouf, hein, son profil. Hein. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Il y a quand même des joueurs, il y a quand même des clubs, pour moi, qui m'ont choqué. Bologne, ça jouait le bas de tableau, ça joue la Champions l'année prochaine. C'est une dinguerie quand même quand il analyse. Moi, c'est ça qui me plaît, que je vous parle en fait. Bon, on va gagner tranquillou ce match et on croise les doigts pour toujours la même chose, hein, faut pas. De Tenerife. La perte de balle. Allez, Kevin. Qui va donner une petite balle à Xobot. Allez, c'est bien. 4-0. La confiance de Kevin Carlos va revenir gentiment. Là, une passe de but. On aurait pu tenter le tir. Il est en train de mettre tout le monde d'accord, ce petit gars. Je sais plus qui c'est qui me l'a proposé, mais c'est un vrai bon joueur. Il est rapide, il se projette bien dans l'espace, il n'y a rien à dire. Ouais, cet été, c'est une dinguerie le nombre de coachs qui changent de club. Hein. Bien joué la parade.
C'est terminé. Victoire 4-0. On est bien. On avance. On est solide. Et on croise les doigts pour, comme d'hab, la même chose. Un faux pas de notre concurrent direct au titre. Il y a Almeria qui a perdu. Ça, c'est pas mal. Parce qu'ils sont derrière nous et n'étaient pas très loin. Alors. Je parlais d'un faux pas, mais en fait, je savais qu'ils avaient déjà joué. Donc, il n'y avait de toute façon pas de faux pas. Il reste combien de matchs, en vrai? Parce que, mine de rien. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 matchs. Elles sont interminables, les saisons en deuxième division espagnole. 14 matchs! 42 matchs. Ouais, bah oui, 42 matchs. C'est une dinguerie, le nombre de matchs qui reste, à part ça, quand il réfléchit. C'est une dinguerie. C'est une énorme dinguerie. Bon, allez, s'il vous plaît, ce serait bien là qu'avant de jouer à Alcaraz, on apprenne que... Ah, ça c'est une bonne nouvelle, les gars. Alors, est-ce qu'on pourrait avoir du lourd, s'il vous plaît? C'est pas la folie, hein. On a besoin de vue des prix. On n'est pas sur Messi et Ronaldo, hein. Là, on a un joueur de couloir. De toute façon, c'est que de la profondeur qu'on cherche. Là aussi. Après les autres, franchement, j'y crois pas trop. Je vais aller voir un tout petit peu les deux petits gars là. Ils sont au centre de formation. Alors. Peut-être une reconversion à faire. Je sais pas ce que vous en pensez. D'un point de vue de ses stats, c'est un milieu droite. Compliqué, hein? Pour moi, on n'est pas forcément sur un profil de folie. On va le laisser en milieu droite. Est-ce que ça vaut la peine de le prendre en première équipe? Pour le moment, je pense pas. Il y avait lui, du coup. Lui, je ne sais pas si c'est un plan de développement. Il y a quand même 5 étoiles de mauvais pied. Il y a une grosse stat. Bon, ça progresserait sur l'aspect défensif. Mais il y a quand même de bonnes stats dans les frappes et autres. Là, c'est quand même dans ses meilleurs stats. Si tu le reconvertis en milieu droit, t'as l'impression que c'est un petit peu son poste. On va tenter de le reconvertir. De toute façon, on a besoin de joueurs de couloir. Donc, on serait bête de ne pas le faire. On va voir ce qui va se passer pour eux. Bon, classement, ça n'a pas joué. On joue ce match-là. Il faut absolument le battre, le gagner. Alcaraz, encore une fois. C'est une dinguerie. Hein. J'ai l'impression qu'on se répète chaque week-end. Kevin Carlos, titu aujourd'hui. Retour dans le 11 de départ. Garcé. T'inquiète pas, ton heure viendra, frérot. Sinon, on va pas tout changer. Hein. On part comme ça. Faut absolument gagner. Absolument gagner. Et espérer un faux pas. Voilà, on est dans... J'ai oublié de mettre Xobot. Non, j'aurais dû mettre Xobot. Faut que je le mette titulaire définitif, Xobot. Allez, Jérémy, mets-nous encore des buts, mon pote. Parce que... T'es une machine de combat, certes, mais... Allez, c'est parti. Pas d'enjeu. Il n'y a pas d'enjeu. Le défenseur central couvre. Je dois tirer en force. Je dois tirer en force sur cette première balle. Dommage. Oh là là. Oh là là, on est à la ramasse défensivement. Bien joué. Allez, Morientes, tu dois un petit peu réagir parce que t'as quand même un nouveau concurrent qui fait du lourd là. Hein. Bien joué.
Allez, Kevin, c'est bien, c'est bien. Oui, c'est bien gratté, ça. C'est bien. Dommage qu'on n'arrive pas à la récupérer derrière parce qu'il y avait moyen de faire mal. C'est quoi pour vous le plus gros choc dans les changements de coach, les gars? Le coach où vous êtes dit « Wesh, mais je m'y attendais tellement pas !» Ou alors le changement de coach où vous êtes dit « Non, mais je m'attendais peut-être pas à ce que le club change de coach. » Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Oh là là, Kevin Carlos. Nos deux attaquants, ils ont déjà eu deux énormes actions. Hein. Alors, dites-moi tout. Les plus gros changements qui vous ont surpris. Je suis impatient de vous lire. Oh, il se défonce. Kevin Carlos, il se défonce. Hein. De Zerbi à l'OM. Compagnie au Bayern, pas compris le choix de la direction à part le nom. Bah, pour moi, Compagnie au Bayern, c'est une, si ce n'est la plus grosse surprise. Je suis assez d'accord. Mais attention, une chose. Compagnie au Bayern, oui, c'est une dinguerie. Mais non, c'est pas voué à l'échec. Je pense que beaucoup s'attardent sur Burnley 19e de la saison dernière. Mais avant ça, il y a eu Burnley premier en Championship, record de points de l'histoire de la Championship aussi. Donc, ça peut marcher. Et ensuite, après les gars, il faut dire ce qui est arrivé à Burnley. Burnley, voilà, t'as fait avec les moyens du bord, une équipe jeune, ça n'a pas marché, ben voilà. Maintenant, De Zerbi, pour moi, hein, c'est pas un mauvais choix du tout. Mais le discours, je l'ai déjà tenu dans le dernier live et je continuerai à le tenir. C'est est-ce que Marseille lui laissera le temps? J'ai eu écho que Marseille a gagné. Je crois qu'ils ont gagné leur premier match 3-0 là en prépa. Qu'il y avait plutôt de bonnes choses. Mais après, voilà. Je suis assez surpris que personne me cite Liverpool. Parce que autant ils vont chercher un entraîneur qui a gagné, ouais, ou qui faisait de bonnes choses. Mais je suis un peu surpris, quoi. Ils avaient quand même Jürgen Klopp, quoi. Putain, Zidane, tu déconnes, le but que tu prends, gars. Pff. Chelsea qui change de coach tous les 6 mois, ouais, bah ça, c'en est une aussi. C'est une dinguerie qui prend, là, le but qu'on prend, là. Petit peu déçu, là, Zizou, là. On est mené. Et on est amené dans un match où le chrono est déjà bien avancé. Hein, donc ça passe. Ça joue. La tentative, la défense qui dégage. On va pouvoir y retourner une dernière fois ou pas? Si tout le monde part en profondeur, ça risque d'être compliqué. Yes! Égalisation! Morientes! La concurrence, ça fait du bien à tout le monde. Xobot qui met des buts. Morientes qui n'avait pas encore marqué. Là, il est au bon endroit. Un peu de chat, hein. C'est une partie de billard, mais ça finit au fond. On la provoque, notre chance. C'est bien. Tete Morente. Yes. Troisième but en 24 matchs pour notre milieu droite. Ça fait plaisir. Tout est à refaire dans ce match. Kevin Carlos et Bobby C. Il nous faut des buts. Pour le moment, vous n'avez pas marqué. C'est pas suffisant. Et Bobby C, bon, mais là, il pourrait faire un effort sur la passe quand même, hein, Bobby C. Salut Daffy, comment ça va? Tu as touché au slider, non? Au slider normal. Là. Bien joué la défense. Salinas, excellent job. Il met jaune. Et il met rouge, yes! Allez! J'ai eu peur, j'ai vu Souza. Mais moi aussi, j'ai un Souza dans mon équipe. J'étais là, wow. Faut pas se tromper de Souza, là. Allez. Oh là là.
Oh, il est mal centré. Dommage, il y avait Nico. Il y avait Zidane, le fils Zidane, qui était au milieu. Théo, il est très très grand, Théo Zidane. Yes! On a de la chatte et Bobby c'est au bon endroit. Gros travail de Kervin Carlos. On retourne la situation. Oui. C'est du rapide en plus, c'est bien. On perd pas trop de temps. C'est réactif, c'est rapide, c'est bien. On le voit. Il faut que Kevin Carlos y retrouve le chemin des filets. Ça, c'est important pour sa confiance. Allez. 2-1. Ah, mais c'est mouche. Quel plaisir de regarder une personne qui aime le mode carrière. Mais il y en a d'autres. Mais oui, c'est un plaisir. Je te le confirme. J'ai une mouche qui me tourne autour, les gars. C'est une catastrophe. Bien joué, défense. Attention, là, faut conserver. Allez, Nico. Ouais. C'est dommage parce que c'est très mal donné. On fait avec les joueurs qu'on a. Ouh, la bonne récupération, Nico. Oh, c'est bien joué pour Kevin Carlos. Ça fait plaisir pour Kevin Carlos. Le retour de Kevin Carlos, blessé pendant trop longtemps, qui marque. C'est bien pour sa confiance. Je vais te défoncer, petite mouche. Désolé. On va se la faire. Elle est où? Non, pas au marteau, hein, je vous rassure. Je sais pas où elle est. Sortez-moi une tapette à mouche, je la démonte. Allez, c'est bien, 3-1. Quel dommage pour Bordeaux. C'est très très dur. Mais avant eux, il y a eu par exemple Strasbourg. Il y en a eu avant eux. Et on leur souhaite que de remonter rapidement. Mais oui, c'est très très dur pour Bordeaux. C'est une vérité. On espère une reprise du club par des gens qui aiment la ville de Bordeaux et qui aiment le club, qui rebâtissent ce grand club français pour les voir revenir de leur cendre, quoi. Après, ils vont en national, mais c'est national quoi, les gars? Ils sont en national 3, genre, ou national 1? C'est quand même une petite différence si tu repars en national 1, quoi. Tu vois? Tu repars en national 1... C'est là où tu te dis, oui, la descente fait mal, mais quand même, quoi. Tu pars pas du fond, quoi. Bien joué, Zidane. Ça m'intéresse de savoir. Si vous avez cette info, avec plaisir, je la prends. Et il n'y a pas eu de pub aujourd'hui, les gars. National 1 ou National 2? Ok. Bah, c'est bien, hein. Moi je suis content pour eux. Qu'ils repartent pas de tout en bas, tu vois. Enfin, je suis pas content pour eux, hein. Je suis triste pour eux, mais je me dis aussi que ça pourrait être pire, quoi. Si c'est National 1, c'est top. Après, voilà, hein, t'as toujours des gens qui vont être intéressés à investir. Et puis, faut repartir avec le club, quoi. C'est qui reprend le club? C'est ça, moi, qui m'intéresse. Je sais qu'ils ont perdu tous leurs jeunes. C'est un bordel sans nom. C'est vraiment du flipper. Je crois que c'est pas décidé encore aujourd'hui. C'est National 1. Ok. Ok, ouais, National 1, ouais. Ouais, moi, je trouve ça incroyable qu'en France, t'as quand même des clubs qui disparaissent, quoi. C'est quand même une dinguerie, quoi. Faut juste vous dire que c'est une dinguerie. C'est impressionnant. Moi, je suis choqué.
t'as des clubs en France, en première division française, qu'on considère comme étant une des 5 plus grosses ligues au monde, c'est dingue. Ça peut aller en N3 suivant la décision. T'imagines en N3. Même Valentin Liénard joue plus haut, quoi. Quand tu réfléchis. C'est moche. Et Villarreal B, c'est 21e. On est leader. Mais on a un match d'avance. Mais franchement, j'en ai marre de regarder le classement. Le classement maker. Je le regarde chaque semaine. Voilà, ils ont gagné. Attendez. Ils ont joué deux matchs, là. Ils ont joué deux matchs. Ils avaient 3 de retard. Ils ont joué deux matchs. Ils en ont gagné un, mais perdu un. Donc, si on gagne, on est à égalité. Si on gagne, we are back. Et ça, ce serait plutôt une dinguerie. De revenir à égalité avec eux, ce serait trop bien. Tu fais travailler le mauvais pied. Et à part ça, certains, ils progressent R. C'est une dinguerie. Zidane, il enchaîne les matchs. Il progresse à la vitesse d'un escargot, le mec. C'est une dinguerie. C'est alertant, quoi. C'est alertant. Relégué en N3. Ouais, relégué en N3, ouais, c'est vrai. C'est vrai. 8 semaines. Je pense que le petit Kevin Xobot, là, il a gagné sa place, hein, les gars, hein, en vrai. Hein. Il est trop chaud. Hein. Il court partout, il est vif, il est bien. Hein. Moi, je kiffe de ouf, ce mec. Allez. Kevin Carlos. On va la remettre titulaire, Kevin Carlos. Hein. Faut pas non plus déconner, quoi. Tac. Allez, prochain match. Villarreal. Voilà l'article de Franck Ouest. Villarreal, il faut gagner. Je vais mettre Mendes Titu à la place de Paz. Un petit coup. Et on va mettre Lopez titulaire. On va mettre Lopez à la place de Donald. Et je parle pas de Mac. Oh, oh. Allez, c'est parti. Bah oui, parce qu'ils ont Lille, puisqu'ils jouent au stade de Villarreal. La Ceramica qui est pas bien modélisée dans le jeu. Je le dis, elle n'est pas à jour. Il manque beaucoup. Tout le toit, toute la structure du toit, elle n'y est pas. C'est parti. Ah, y a pas faute. Il amortit le ballon, mais derrière, ils arrivent à... Ok. On a pas vu la même chose. Ils jouent un contre-pressing, eux, ou bien parce qu'ils pressent haut. Oh, mais si tu lui la mets bien. Tu lui la mets bien, tu sais, ça va tout droit. Hein. Oh. Bien joué. Allez. Yes. On remonte. Bien joué Zidane. Il s'est défoncé Zidane pour aller chercher celle-là. Oh là là, ça s'en sort bien. Pourtant, j'avais la présence de mes attaquants. Allez, la pression. Oh là là, ça s'en sort bien. Ça s'en sort très bien. Bien joué, Zidane. Allez, les gars, petite question. Je la pose souvent, mais j'aime bien savoir parce que les gens, il n'y a pas tout le temps les mêmes sur le live et du coup, ça permet d'avoir un peu un horizon. Comment vous avez connu la chaîne? Bien joué, Bobby C. Il est incroyable. Hein. Bobby C, il est incroyable. Maintenant qu'il est acclimaté à son équipe, lui, il est trop chaud.
1-0. C'est son quoi ? 19e but. Ça, c'est un profil qui peut te faire monter. Sur YouTube, oui, mais sur quel FIFA, les gars ? Oh, bien joué. Garde le ballon. Garde-la. Oh, Kevin, fallait marquer. Ça aurait été trop beau de mettre le deuxième. Dommage. Putain, on attaque d'entrée fort, là. Ça traîne. Oh, la perte de balle. Oh, bah la perte de balle, on va pas dire non. Allez, merci. FIFA 22, Racing Club de Lens, notamment. Carrière avec Lens, FIFA 22. Bon, là, ils sont nuls. Hein. Un défi avec Tottenham. Je suis désolé, des fois, je parle pas la même langue que vous, les gars. Je suis navré. Bon, nos buteurs, là, ils sont chauds. Kevin Carlos, ça marque aussi. Il siffle la faute. Attention. On tient le coup. On touche. La balle qui est dégagée, peut-être. Et une petite faute, on est d'accord, ouais. On est d'accord. Salinas. Moi, ta carrière avec Saint-Etienne en 2017. Purée, c'est une dinguerie, Adam. Adam. Je crois comment. C'est une dinguerie, ça. Ça c'est loin, hein, purée. C'est. Ouais, c'est une dinguerie. Bien joué. Un défi avec Tottenham que t'avais fait. Ok. Ok. Bien joué, Nico. C'est bien joué, ça. Xobot, ça repart. La bonne balle sur... Oh là là, il en rate moins d'habitude. Purée. On était pas loin du 20e but de la saison. J'ai le temps d'ajuster, mais je prends justement trop de temps. Dommage, on reste à 2-0. FIFA 17, un des meilleurs, ouais, clairement. Oh, on est à des années-lumière de celui-ci. Hein. Ça dégage, on est là. C'est la mi-temps. Non, laisse tomber. C'est quoi le meilleur FIFA pour vous, les gars ? Genre all time. Genre celui, on me dit, vas-y, tu dois taper un retour. Le prochain jeu, il doit ressembler à celui-là, ou limite, c'est celui-là. C'est quoi pour vous ? Genre le FIFA, ouais, tu te dis que c'est the best. Ah ouais, en 2017, en plus, c'était ma période où je kiffais FIFA en faisant et en regardant des carrières. Ouais, c'était tellement ça. On a tous... je crois qu'on s'est tous régalés sur des carrières en FIFA 17. C'était une dinguerie. Franchement, c'était ouf. Bon, les gars, on est à 5 followers des 400. Youssef, FIFA 18, FIFA 17. Ouais, vous savez, on est tous un peu unanimes, hein. Moi, je sais pas pourquoi, dans ma tête... Alors, FIFA 17, c'est sûr, mais je garde aussi un putain de souvenir de FIFA 16. Je sais pas si c'est que moi. FIFA 16 aussi. La période 16, 17, 18, c'était the best pour moi. C'était les meilleurs. Après, il n'y a eu pas des mauvais opus, mais plus les années avançaient, plus ça se dégradait en fait. Il y a eu une année, c'était FIFA 21. Le jeu, il était trop simple. FIFA 21, le jeu était trop simple. Jouer la défense. Oh, Xobot. Oh, tu peux accélérer. T'aimes beaucoup ce genre de ballon, Xobot. Allez, mon petit. Il va venir au contact, mais il va le brûler par la vitesse. Ça se voit à des kilomètres. Dommage.
FIFA 17, mon premier. Ouais, c'est... Mais c'est ouf, parce que vous voyez, autant FIFA 06, je m'en souviens, autant jusqu'à FIFA 16, je m'en souviens pas. D'ailleurs, dans ta tier league, Jix est de retour. Quoi ? Non. C'est sérieux, ça ? Il est de retour ? Non, attendez, là, par contre, là, je mets pause. C'est vrai, ça ? C'est une dinguerie. Non, si c'est vraiment vrai, c'est une dinguerie. Jix, je... Ouais, c'est comme ça. Il est vraiment de retour ? Oh. Oh, c'est une dinguerie! Sept ans! Wesh, c'est une dinguerie! Mais du coup, il va se lancer sur du foot ou il fait du... Ou il fait du... Que de l'actualité foot? Attention les côtés, là on est en train de se faire manger. Oh la tête. Oh, belle parade, on n'aurait pas dit comme ça. Hein. J'ai peur que FC25 va être aussi une bouse infâme. Perso, je l'achète pas. Ouais. Moi je crois à la fin d'un cycle désastreux simplement parce que c'est vraiment le premier qu'ils ont pu taffer sans avoir IA dans leur basque. C'est pour ça que moi j'y crois. Mais... Mais c'est mon point de vue. Oh, mais non. Le bug, quand j'ai vu qu'il avait sorti une nouvelle vidéo. Ouais, il a sorti une nouvelle vidéo genre hier. Mais je sais pas. Je me réjouis de voir ce qu'il va faire. En vrai, s'il vient sur du FIFA, ce serait ouf. Hein. Mais bon, là, il a pas sorti du FIFA, les gars. C'est pas du... Enfin, je crois pas que c'est du FIFA ce qu'il a sorti. Il a sorti du genre... Il a sorti du genre un mercato parfait, PSG... D'ailleurs, c'est des vidéos que je déteste. Ces youtubeurs foot là qui font que des vidéos sur le Paris Saint-Germain pour faire des vues et puis qui ont zéro culture foot parce que tout ce qu'ils parlent, c'est Paris Saint-Germain, la Ligue 1 et ils ont l'impression que le foot s'arrête à ça. C'est une dinguerie. Et puis, ils font des mercato parfaits avec des clubs comme le Paris Saint-Germain alors qu'ils sont absolument pas en connaissance d'un budget ou quelconque. Et que les gars, ils savent même pas comment on calcule un budget dans un club de foot. C'est, moi, ça me fait tellement rire. Il y en a certains qui sont ultra pertinents, du style Alex de Castro. Lui, il est ultra pertinent parce qu'il te sort des manières de calculer ces transferts qui sont cohérentes. Willou aussi, mais t'en as plein de petits. Oh là là, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie l'incohérence qu'ils ont, quoi. Ils disent, oh, ben, moi j'estime qu'on a 60 millions, puis on va vendre lui, puis sur Transfermarkt il est coté à cette somme-là, donc. Ouais, mais les gars, Transfermarkt c'est pas la réalité, quoi. Ouais, mais bon, il nous coûterait que ça, donc c'est une bonne solution. Ouais, mais frérot, son salaire, quoi. C'est bien, mais son salaire, tu lui donnes combien, quoi? Magnifique. Quel job. C'est qui met ce but? Rekoba, j'aime bien. Je connais pas. Je ne connais point ce garçon. Bon, on va aller taper 3-0. On peut le dire, on est bien. Juste voir un peu, il fait quoi? Ouais, en gros, il fait un mercato parfait.
du PSG, quoi. Ouais. Il fait un mercato parfait du PSG, quoi. Mais bon, le gars, il a quand même... il pèse dans le game, parce que quand tu vois les gens qui viennent commenter, t'as du Clémo, quoi. Tu vois ? Donc tu te dis, wesh, Clémo, c'est quand même gros YouTuber. Je regarde juste comme ça, là. Ouais. Ouais. Bon, il y a du monde qui a commenté. C'est bien pour lui, hein. Franchement, ça fait grave plaise, hein. Ça fait grave plaise. J'ai regardé sa vidéo. Juste pour savoir s'il a l'intention de revenir sur YouTube aussi, sur FIFA. Ça nous ferait plaisir de revoir un vrai pionnier. Hein. Un vrai bon gars. Pas perdre là. Pas perdre là. Zidane, bien joué mon gars. C'est bien, il va sortir un clean sheet. Bon, Noah Lemina qui vient de signer à Annecy. Très gros coup pour eux. Je connais pas. Noah Lemina, c'est le frère de Mario ou bien ? C'est pas déconnant ce que je dis d'ailleurs. Ça pourrait être le frère de Mario. Bon, ça gagne. Ah, c'est le frère de Mario Lemina. Ok. Bon, c'est bien. On gagne. Finalement, avec ça qui compte. Alors, faut pas, s'il vous plaît. Putain. Ouais, ça y est, on est égalité maintenant. On est égalité. C'est une dinguerie. Yep, le petit frère de Mario Lemina, que j'ai bien aimé à l'OM d'ailleurs. Moi, vous voulez mon avis, on ira en deuxième division espagnole. Hein. Au vu du rythme qu'on a et l'avance qu'on a sur un Almeria ou un Cadiz, j'ai pas trop de doutes qu'on y aille. Par contre, je vais pas vous le cacher que si je dois y aller, c'est avec le titre. Moi, je veux le titre. On a une meilleure attaque. On n'a pas la meilleure défense. La meilleure défense, c'est la 22... c'est nous la meilleure défense. On a la meilleure attaque et la meilleure défense du championnat. Faut impérativement qu'on finisse le taf, quoi. Il n'y a que ça à dire. Hein. Finir le taf et puis qu'on soit promu. Hein. Après, tu as Levante, c'est un petit peu un derby, donc ça peut potentiellement être chaud. Tu as quoi encore ? Tu as Giron, là, tu as Oviedo, qui est pas mal. Giron, Almeria, c'est solide. Ah, les gars, on n'a pas fini avec le combat. Hein. C'est le combat. Et ça, on n'a pas fini. Est-ce qu'on aurait du coach ? On pourrait avoir un 5 étoiles qui traîne par là, s'il vous plaît, depuis le temps que j'en ai pas eu un. Ouais, tu peux te lever de bonheur pour en avoir un. Tu peux te lever de bonheur. Bon, bah voilà, pas de 5 étoiles. C'est dommage, j'aurais bien donné un petit coach supplémentaire d'un coup au milieu. Enlever le défensif pour mettre l'offensif, mais bon. Enfin, le milieu, mais voilà. Je trouve que ça ne progresse pas assez au milieu, en vrai. Ok. Albacete, on les a joués avant, non ? Je sais même plus. En tout cas, faut pas se louper. L'équipe, elle est là, elle est ready. Gagner, il faut. On doit. Kevin Carlos, il est chaud. Faut gagner à tout prix, les gars. À tout prix. Allez. Ah, vous avez vu, il a enlevé le manteau, notre coach. Il est en short, t-shirt, petit polo, ready pour la promotion de Elche. C'est parti, mon gars. On a combien de temps ? On a 1h50 de live déjà, ça passe vite. C'est une dinguerie. À quel point ça file ? Ça file. Jouer Kevin Carlos. La bonne récup de Kevin Carlos. Et on va projeter là avec Paz. Allez. La première parade.
Moi, je fais un mode carrière avec Bordeaux. J'ai check le début de la vidéo de Geek et a priori, il rejouera pas à FIFA. Il fera des réac mercato et tout. Ok. Bon, hein, après, tu sais, ce qui est chaud, c'est que quand t'as une commu comme ça, lui, il a quand même une commu FIFA bien présente, tu reconstruis tout, hein. Tu reconstruis tout un truc, hein. Après, tu peux t'appuyer sur une base, mais pas sûr que tout le monde te suive. Ouais, dommage, dommage. J'essaye, il n'y a pas beaucoup d'espace. J'essaye, ça passe pas. Oh là 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 là, la bonne récupération peut-être, le centre maintenant, et la balle qui traîne. Bah, avec Bordeaux, enfin, faut aimer quoi, c'est juste qu'ils vont disparaître quoi, donc chacun fait ce qu'il aime quoi, mais difficile de se projeter dans une carrière manager avec Bordeaux, difficile d'avoir un point de vue réaliste hein, sur les transferts, étant donné que, bah, la situation de Bordeaux est critique, quoi. Mais ça peut plaire. Hein. J'aimerais bien Never Back Jordan. Incroyable. Qui a suivi Never Back Jordan? Qui connaît Never Back Jordan? Franchement. Gotesque, le type. Dommage. Ça traverse tout. Ah, j'essaie de les rendre, dommage. C'est bien, c'est bien. On a de bons moves, on a juste la peine à se mettre en dans des situations de tir. Voilà, puis Zidane, il prend un tir. C'est une dinguerie, quoi. C'est abusé. Zidane, il me fait peut-être le pire épisode... Le pire épisode depuis qu'on l'a recruté. Surtout celle de Plymouth. C'était une dinguerie, Plymouth. Quel est votre YouTuber carrière manager, genre le premier que vous avez regardé, les gars? Putain, ça ne veut pas passer une fois. Et la parade. Incroyable. On est en off, ouais, on est en off déjà. On peut une fois mettre un corner. Ils sont bien tirés en plus, hein. Le gardien est même pas sorti, hein. Allez. Ça dégage. On a le droit au bonheur, ou bien. On a le droit à... À part ça, si je perds ce match, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Si je perds ce match, c'est une dinguerie. Parce que... À chaque fois que je peux recoller ou que je recolle à Tenerife, le match d'après, je me fais caca dessus. Allez les gars. Maestro avec ses KRN, Baigo à l'ancienne. Un AAA gamer aussi qui a arrêté YouTube il y a un moment. Ah ça je connais pas. Bon on est mené les gars. Hein. Faut se réveiller, faut trouver une solution. Pour le moment on l'a pas. Allez, faut retourner la situation là. Putain le but qu'on prend c'est un vieux but en plus. Ça passe. Pff,
faut, maintenant, faut faire les bons choix et puis faut gagner ce match. Deux tirs de but, les gars. Deux tirs de but. Deux putains de tirs de but. Je passe en ultra off. Deux fois par leur attaquant qui se fait oublier. Zidane à la ramasse aujourd'hui. Putain, nous on n'arrive pas à amortir correctement un ballon. Il y a toujours un petit truc, quoi. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie, c'est une dinguerie. C'est abusé. C'est abusé. On est en train de sécher. Non, mais propose le côté, Nico. Et eux, ils font un truc. Hein. Ils jouent en contre. Ils récupèrent un ballon. Et Red, ils jouent bien en contre. Ils jouent bien, regardez, comme ils arrivent à arriver dans la zone décisive. Allez, il faut marquer rapidement. Ouais, aujourd'hui on sèche complet. Aujourd'hui on fait la crevée de qu'il fallait pas. Hein. Et eux ils ont une chatte. Bien joué ça. Ouais, l'autre il lâche pas, hein. Il lâche pas. Devant on n'a pas fait un bon match. Hein. Devant, on est trop brouillon dans nos courses, on est trop direct. On n'est pas assez collectif aussi. Je suis obligé de redescendre, ils sont là. Dix minutes, dix petites minutes. Je vais faire des changements, Kevin Carlos. Allez, on va faire entrer un attaquant. On fait rentrer Moriente. Pourquoi pas aller chercher le match nul? Pourquoi pas? Ce serait ouf. Ce serait oufissime d'aller chercher le match nul maintenant. Allez. Allez, les gars. Donnez-moi votre force, là, parce qu'on en a besoin. 10 petites minutes. Je suis en ultra off. Déjà, le match nul, je suis content. Il n'y a pas de faute. Le problème, c'est que j'ai pas d'autre solution. Bien joué. C'est une dinguerie ce qu'on monte. Kevin Carlos. Là, il aurait marqué plus que jamais son retour. Hein. C'est Vaslík dans les goals. Je suis dead, j'avais pas vu. Gardien de la République tchèque il y a quelques années, qui a passé par balle notamment. Faut toucher. Là, faut toucher ce ballon. Le ballon, faut le gagner. Conserve. Allez, remonte. Remonte avec. Mais putain, mais c'est pas possible. Mais pourquoi je tire pas? C'est terrible. Défaite de 1. Oh là là. Mais non. Mais comment on est? On peut espérer peut-être une défaite de Tenerife. Mais c'est encore une fois, c'est comme je disais. Psychologiquement, on est faible, quoi. 9 tirs à 3. C'est terrible. Ouais, ils ont pas joué.
Et eux, ils sont bien. Eux, à chaque fois, ils sont tranquilles. Ils disent, ah, ben, on sait qu'ils ont perdu. Si on gagne, on passe devant. Salut, en tant que buteur. Kaka. On est deuxième. Ça a gagné. Ah, mais franchement, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. On est fort psychologiquement quand même. Hein. On est fort psychologiquement. Hein. Zidane, je le sens pas en forme. Zidane, je le sens pas en forme du tout, les gars. C'est abusé. Est-ce qu'on testerait le petit Miguel Lopez ? On testerait le petit Miguel Lopez à la place de Zidane, en vrai ? Il me paraît petit. Moi, pas forcément. Peut-être juste pour lui faire un électrochoc, tu sais. Contre Levante. Là, t'as pas le droit de perdre. Là, tu perds. Oh là là, Pixobot, il est avec... Oh non, c'est une blague. Il est pas là, il est avec son pays. Oh non, mais c'est pas possible. Tu vas pas me dire que j'ai des coups comme ça. Xobot avec son pays. Excellent. On n'aurait pas dû accepter de l'envoyer, les gars. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... Xobot, il est avec le bled. Bon, va falloir faire 100. Va falloir faire 100 Xobot. Et va falloir surtout battre Levante dans un derby. Hein, donc... Allez, moi, je m'écoute un petit coup. Lopez, c'est ton moment. J'ai pas aimé les derniers matchs de notre ami... De notre ami Zidane. De la musique et tout, là, les Vantés, ça rigole pas. Allez. On les avait tapés, hein, au match aller. Allez, les gars. C'est parti. Non mais là, non mais cette remise, elle est facile pourtant. J'ai cru que je vais découper la jambe avec Kevin Carlos. Allez. 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 Le poteau, c'est pas possible. Salut Baptiste. Incroyable. Putain, mais j'ai le seum. Allez les gars. Yes. Ça se voyait. C'est le seul mec qui marque de la tête dans cette équipe. Kevin Carlos. Et il fait quand même un gros retour, Kevin Carlos. Je sais pas ce que vous en pensez. Garcia avait fait de bonnes choses hein, quand il était blessé. Mais j'ai l'impression que depuis qu'il est de retour, le mec, il est transcendé, quoi. Kevin Carlos, le gros coup de casque. Aucune chance laissée au gardien. Kevin Carlos, c'est son 10e but en 22 matchs. Donc on est encore sur des stats très très bonnes. Hein. 1-0. Tu live demain? Oui, demain, on sera en live de 13h30 à maximum 17h. Demain matin, ça bosse, ça charbonne sur YouTube. Encore et toujours pour vous proposer du contenu exceptionnel. Bien joué, gamin. Et après, à 16h45, vous avez une vidéo qui sort. Vous avez l'épisode 45 de la carrière avec l'Olympique Lyonnais. Oh, mais c'est dommage. Les rediffs, elles sont toutes mises sur YouTube et normalement, je les mets le matin. C'est-à-dire que là, cette rediff-là, normalement, elle est demain matin sur YouTube.
Là, faut presser. Voilà, c'est bien. Elle est pour nous, elle est pour nous. Après les rediffs, les gars, est-ce que vous les regardez ceux qui sont sur le live, ceux qui n'ont pas le temps de regarder tout le live, par exemple, vous les regardez toutes les rediffs ou pas? Ça m'intéresserait de savoir, parce que des fois, c'est vrai que ça peut paraître long, mais pour moi, ça me demande énormément de job de tout séquencer par 40 minutes, admettons. Donc du coup, je suis obligé de, entre guillemets, faire de cette manière. Moi, je les regarde toutes. Moi, je pense que la plupart, vous les écoutez, quoi. Vous les écoutez en fond, moi, c'est... Mais après, voilà, moi je trouve cool, ça permet d'avoir du contenu additionnel en plus. T'as pas besoin de regarder tous les lives, mais tu peux regarder d'un coup un live, tu décides d'aller. Moi je me regarde un petit peu et puis je regarde ce qui se fait, quoi. Vous voyez ce qui est ouf, hein, les gars, c'est qu'on est en train de les taper 2-0. On est en train de les taper 2-0. 2-1. Petite faute de main de Lopez. Oh, nos gardiens, ils sont pas dans la meilleure de leur période, hein. Les deux premiers, je les ai regardés. Après, tu regardes en fonction de tes dispos, hein. Le but, c'est de vous divertir. Oh, ça passe. Yes! On est rapide, on est bon. 3-1. Tu vas regarder celle d'aujourd'hui comme ça tu... Ouais, bah exactement, c'est ça le but en fait. Moi je cherche pas à attendre des chiffres démentiels, moi je cherche à passer un moment en direct avec vous, chose qu'on fait maintenant actuellement, qui est très très sympa. Et après, ben, bah, je cherche à... Ah, voilà, je mets l'ardif, ceux qui sont intéressés regardent, ceux qui sont pas intéressés, bah, passez votre chemin, hein. Il y a bien assez de contenu sur YouTube. On fournit du divertissement. Dommage, parce que c'était pas exactement ce que je voulais faire à la base. Ah, il y a tous ces clubs sur Bayer. Ah, bah voilà, bah, ça en dit long sur... Je suis pas timbré quand je vous dis que c'est un joueur qui a du potentiel. Tu vois le nombre de clubs qui sont sur le garçon. Après, il l'estime à combien, niveau mercato? Bayer. Salut Micro, tu penses quoi de Moukoko à Marseille? Salut, bienvenue à toi. Je pense que Moukoko à Marseille, au vu de la situation en attaque, pourrait être une bonne idée. Après, je pense pas que Dortmund le vendrait définitivement. On serait plus sur un prêt. Il y avait du monde, dommage. Estimé à 30 millions sur Transfermarkt. Ouais, mais justement, après, si t'as des enchères qui s'engagent entre les clubs, ça peut monter vite, hein. Mais oui. Là, il m'a mis une lucarne, le bâtard. Je peux rien dire à mon gardien. Salut mon ami. Salut Clément, comment tu vas? Et perso, j'avais regardé la première rediff, ce qui m'avait fait venir ici, mais je regarderai la rediff le soir, ouais. La Juve sur Bayer aussi, apparemment. Bah, j'ai rien entendu passer. Puis quand t'as Vlahovic, puis que tu sais que Thiago Motta veut jouer avec une seule pointe, mettre 30 millions sur un joueur que l'on considérera comme une doublure, je suis pas sûr que... Salut Micro, t'es toujours en coupe? Non, en coupe, on s'est fait sortir au premier tour, au tir au but, contre Andorre. C'est moche, hein. Bon, ça nous a permis de nous focus à fond sur le championnat par la suite, mais c'est vrai que quand tu te dis Andorre, tu te dis que c'est bien dommage, quoi.
Bon, notre petit gardien, je vais bien content de tomber sur ton live. Merci à toi, Clément. Merci à toi. Je dis juste qu'on est mené 3-1 contre cet adversaire. Au classement, on est deuxième. On est en train de se battre avec, avec Tenerife pour le titre. Mais c'est une dinguerie. On va faire un changement parce que là, ça se passe pas top, top, top. Hein, je crois qu'on peut le dire. Mendes qui rentre. Garcé qui rentre. Score de tennis à chaque fois pour moi en Liga. Ouais, pas forcément sur cette carrière. Sur cette carrière, ça va. C'est rare. Hein. Là, ce qu'on est en train de voir, un 3 partout, c'est là. Je crois que c'est un des premiers matchs où je fais un 3 partout, quoi. Mais on fait plus rien dans ce match. On fait plus rien. Souza. Si la balle elle passe, ça peut faire super mal. L'idée était juste, hein, mais la réalisation, les moins. Vas-y, 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 Lopez. Bien joué. Et ils sont en train de faire une très grosse deuxième. Ça sort, ça sort, ça sort. Et tu vois sur transfert, il estime à 30 millions. Et un autre joueur, ça n'a pas une clause libératoire à 30 millions. Ah, ils ont une clause libératoire. Ouais, mais une clause libératoire, les gars. C'est bien d'avoir une clause libératoire à 30 millions. Mais si, les gars, oh, bah, on paye la clause libératoire. Ok, bah, il peut partir. Mais si à côté, t'as un club qui te dit, bah, écoutez, nous, on décide de surenchérir au-delà de la clause libératoire, il marque. Putain. Je dois tirer 10 fois. Je suis tellement con, moi aussi. Ultra off. Yes, sir! Febas! Tous derrière, on bétonne. On bétonne. On bétonne, on prend pas de risque. Allez, tous derrière. C'est une dinguerie, ce match. Ah, on a pris un triplé par le même joueur, en plus. J'avais pas vu. Ah non, mais franchement, là, on est en apnée, quoi. On est en apnée. Clément, Clément. Clément, petite question. Clément, t'es abonné depuis combien de temps? Pas craqué, hein, les gars. Hein. Pas de dinguerie. On se fait pas dans le froc. Voilà, Salinas. Bien joué. C'est fini. C'est fini. Oh. Le gars, il met triplé. Il perd le match. Hein. Fabrizio. 3 tirs, 3 buts, hein, les mecs. Hein. Bon. On a galéré. On s'est fait peur. On a essayé notre petit jeu no goal. Ça n'a pas été une franche réussite. Ok, welcome, welcome, welcome. On a galéré. Hein. Bon, je vois qu'on est deuxième. 32 matchs. 8 points d'avance en soi, hein, avec 8 points d'avance, on a encore quelques victoires à faire, hein, pour être officiellement promu. Moi, je vous dis, les gars, hein, juste promu au vu de la saison, moi... Bon, bah Mendes, il veut partir, ça me surprend pas. Mendes qui veut partir, ça me surprend pas.
c'est vachement compliqué, hein. Et quand même, lui, il a pris une valeur. 150% de valeur sur la saison. Après, on sait que c'est un monstre, hein, mais. Même Fabiano Souza, qu'on a acheté, c'est aussi un transfert, mais surréussi, hein. Et Nico Paz, il y a une option d'achat à 3 millions. Accrochez-vous bien. 3 millions, on a déjà dépassé cette valeur. Donc ça, c'est cool. Bon, Mendes, au pire, les gars, c'est un joueur qu'on vend cher, hein. Donc ça, c'est bien. Perte de valeur, là. C'est dingue, parce que pourtant, ses stats sont excellentes. Ouais. Bon. On en est à quoi, nous? Ça a pas joué. Ça a pas joué. On avance. Y a des choses là qui viennent de tomber. Alors, déjà. Ok. Vergara. On le fait. Ah. On a eu le flair. On a eu le flair. Fallait l'avoir. C'est bien. C'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est positif, ça. Ce changement est positif. Option du changement. Est-ce qu'on a de nouvelles recrues? Je crois pas. Hein. Je crois qu'on a. On a vraiment pas de chance. FIFA 21, carrière avec Gladbach. Ça, c'était bien, ça aussi. Est-ce qu'on a du coach? Est-ce qu'il y a du coach de dispo? Est-ce qu'il y a du 5 étoiles qui traîne par là? Il y en a pas. C'est bien dommage. C'est bien. En vrai, j'ai eu un seul 5 étoiles. Deux avec le gardien. Mais c'est pas fou, hein. C'est vraiment pas fou. On n'a pas été très gâtés, hein. Officiel 3 est repêché en Ligue 2, relégué en National 1 à l'issue de la saison 23-24. Lestac est miraculeusement repêché en Ligue 2 suite à la rétrogression administrative de Bordeaux. Eh ben. C'est le City Group qui doit être content. Il va falloir injecter un petit peu de thunes, hein, messieurs, hein, si vous voulez. Bon. Bac de Xobot. Ça, c'est cool. Xobot, le retour. Dernier match du live. J'annonce. Il faut finir en beauté. Faut finir avec une victoire. Kevin Carlos qui a marqué 4 buts lors des 3 derniers matchs. Il s'appelle Kevin Carlos Omori, j'ai pas pu lire la suite. Omori Benjamin, je crois. C'est une dinguerie. C'est une rue, quoi. Oui, je sais qu'on peut avoir, mais je trouve plus intéressant que de les chercher par toi-même. Alors, je ne sais pas ce que ça vaut cet adversaire, pour tout vous dire. J'en ai pas la moindre idée. Bah, de toute façon, pour moi, en soi, aller en D2 espagnol, c'était un petit peu la carrière de la découverte. Hein. Je lançais une carrière dans l'inconnu. Bien joué, Zidane. Oh là là, la passe en pivot. Oh! Bien joué, Salinas! Ça va passer tranquillement mais sûrement. Allez. Ouais. Ça s'en sort pas trop mal au milieu. Et ça sort même très bien. Bien joué là. Il a une main alors. Ouais, il la donne, il la donne. J'ai eu peur, je croyais qu'il me l'avait skippé. Allez.
C'est trop fort. Elle partait pas si mal. Hein. Elle partait pas si mal. Je pense quoi du mercato de Stuttgart? Je le trouve pas mal, mais bah il y a quand même des grosses pertes quoi. Moi pour moi ils vont pas faire la même saison que l'année dernière. Après voilà, Undav hein, c'est intéressant. Girassi financièrement c'est intéressant, sportivement c'est une énorme perte. Putain on prend des buts nous les gars, on prend des buts. Putain mec, les gars ils mettent des lucarnes et c'est une dinguerie. Putain, on prend des missiles pleines lucarnes. Merci Nico. Allez, capitaine qui égalise, il a pas de... Attends, c'est bon, hein, on va pas non plus se faire chier dessus à chaque fois. Magnifique job de Nico Fernandez. Allez, tout de suite, là, comme ça, gros coup de clim. Mais je pense que le mercato... alors, pour revenir sur le mercato, si mes infos sont bonnes, citez-moi si j'oublie du monde. Il y a l'arrivée de Rieder en prêt, en provenance du Stade Rennais. Il y a l'achat définitif de Leonidas Stergiou, qui est un très, très bon achat. On a... Bien joué, mon gars! Bien joué, Zidane! On a... Undav qui est signé définitivement suite à son prêt en provenance de Brighton. Voilà. Il y a l'arrivée de Ermedin Demirovic en provenance de Augsbourg suite au départ de Segou Girassi. Et après, j'ai un gros blanc. Je ne vais pas vous dire de conneries, après j'ai un gros blanc. Il y a l'arrivée de Keitel, libre de tout contrat en provenance de Freiburg. Chabot et Keitel, merci, voilà. Chabot, il arrive pour remplacer Monsieur Anton, parti au Borussia Dortmund. Personnellement, tu remplaces un gars qui t'a amené à la troisième place du podium par un gars qui était dans une des pires défenses de la Ligue l'année dernière. J'ai un peu des doutes, pour tout vous dire. Zidane, là, aujourd'hui, hein. Donc là, j'ai un petit peu de doute, pour être sincère avec vous. J'ai même de très gros doutes. Oh non! Pour moi, il y avait d'autres possibilités que Chabot. Après, Chabot, là où c'est pas mal, c'est que ça a coûté, je crois, 4 millions. Et que c'est vraiment pas cher, quoi. C'est... Leveling, définitivement. Rouleau et Leveling, définitivement aussi. Ouais. Mais alors Rouleau il était déjà là, il était pas mal hein, voilà hein, c'est un sacré pari qu'il a tenté, faut reconnaître que il s'est pas loupé le gamin. Bravo à lui hein, il aurait pu rester à Toulouse, jouer la Coupe d'Europe. Il s'est dit non, moi je veux Stuttgart, il a été à Stuttgart, il a réussi. C'est une blague. Le poteau. C'est une blague. Et puis Leveling personnellement à l'Union Berlin, ça n'avait pas fait la folie. Et à Stuttgart l'année dernière, c'était pas fou non plus. Mais après, c'est jeune, donc c'est pas déconnant de se dire que tu veux garder Leveling. Il y a un nouveau coup franc. Qu'est-ce que je fais? Je le tire direct avec Nico Paz. Regardez. Voilà. Je vous l'avais dit quoi? Ça se voyait. Hein, là, c'était trop facile, c'était trop évident. Ils m'ont laissé trop un boulevard. Ça me donnait trop envie. Nico Paz, Zidane, nos deux milieux qui marquent aujourd'hui. Il prend bien ce ballon parce que le défenseur lui sort dessus tout de suite, le numéro 12. Mais derrière, il l'envoie suffisamment hors de portée du gardien pour marquer le 3 buts à 1 dans ce match. On était mené 1-0 et on a appuyé sur l'accélérateur sur les 20 dernières minutes de la première mi-temps, ça fait plaisir. Allez, on est bien les gars, on est bien dans ce match. 3-1, je veux dire, pas 3-0. On aura mis 3 buts, mais il y avait 1-0. C'est bien. Zidane était encore battu, hein.
Zidane encore battu là, hein. C'est un dinguerie. Hein. Zidane, il a eu un très très gros. Une très très grosse perte de niveau dans cet épisode, je trouve. Il a subi, je sais pas, il a perdu en confiance. C'est quand même une dinguerie comme ils défendent. Ils sont vraiment pas bons. Hein. Défensivement, c'est pas foreux. Hein. En tout cas, Stuttgart a son effectif quasiment au complet depuis début juillet. Attention, j'arrive, hein, je lis après. Et voilà, 3-2. Depuis début juillet, ce n'est pas rien pour la prépa. Ouais, mais la plupart des clubs de Bundesliga l'avaient, hein, en soi. C'est un peu le cas, hein. Très peu de clubs qui ont genre un full effectif en vacances à cause de l'euro. C'est le cas de même Freiburg avec, avec quasiment 90% de l'effectif, quoi. Benjito, salut, comment tu vas? Ben, moi, ça va bien, merci. Peut-être pas passer en ultra off. Oui, c'est bien. Après, en soi, c'est ce qui se passe dans la plupart des clubs, quoi. À Freiburg, il n'y avait juste pas Philipp Lienhardt, Gregoric et Roland Salai. Donc c'est 3 sur un effectif de quasiment 30. Donc ça va en soi. Après à Stuttgart, il manquait quoi? Il manquait Mittelstädt. C'est à peu près tout, hein. Anton, de toute façon, partait à Dortmund. Donc il savait qu'il n'allait pas atterrir à. Il allait pas. Il avait déjà fait ses valises, je pense. Zidane. Non! C'est une blague, Kevin, là, par contre. Tu dois le marquer, celui-là. Stiller, super joueur aussi. Ouais, ouais. Stiller, oui, très, très bon. Ancien joueur du Bayern. Putain, on aurait mis le 4-2, là. On prend beaucoup de buts, hein, dans cet épisode. Hein, plus que dans la moyenne, hein. Y a pas d'enjeu. Oh oui, bah oui. Bah oui. Allez. Je crois que je vais me mettre en def, quoi, parce que j'ai pas envie de me faire remonter encore avec un vieux but qui tombe de nulle part. Il la touche, mais je pense qu'elle est pour nous quand même, ouais. Franchement, la fin de match, elle est galère, hein. Moi, je suis pas la Bundes à part les gros matchs. Ouais, comme beaucoup. On a une équipe. Psychologiquement, c'est catastrophique! Psychologiquement, c'est une catastrophique. C'est une cata, les gars. Ils s'écroulent à chaque match important. C'est abusé. Et je suis incapable de me prendre le quatrième. Hein. Et dans tout ça. Tu veux rire, mais dans tout ça, on rate le 4-2, il n'y a plus de gardien. C'est une dinguerie. Défaite. Moi, je vois ça comme une défaite. Je suis deg, je suis dégoûté, ça m'énerve. Il a remis mon coach, il a remis son vieux manteau. Et là, ils peuvent reprendre 5 d'avance. S'ils ont 5 d'avance, c'est... Ouais, ça va être chaud. S'ils ont 5 d'avance, t'as que tes yeux pour pleurer, c'est fini, quoi.
On a de la chatte, ils ont fait match nul. On reste à 3 points de Tenerife. C'est ouf, c'est ouf. On est quoi ? On est à 2h30 de live, les gars, on va stopper là. Là, la semaine prochaine, c'est la fin, quoi. C'est la semaine prochaine. Aujourd'hui, on a fait combien de matchs, les gars ? Waouh, on était à 22e journée. On est à la 33e. On avait 11 matchs aujourd'hui. 11 matchs, une défaite. Mais c'est là où tu vois qu'on n'est pas mauvais, parce qu'il y a un match nul, il y a une victoire, une défaite là contre Albacete, mais il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah non, attends. Attendez, 1. Andorre, on a commencé contre Andorre. Après, on gagne 4-1, on gagne 4-1, on fait 1-1, on fait 4-0. On gagne 3-1, on gagne 3-0, on perd 2-1. Ouais, c'est ça. Ah, c'est dur, hein. Et moi, les gars, je sais pas vous, hein, mais franchement, au vu de la saison qu'on a, au vu de l'équipe bancale qu'on a, oui, la promo, elle va être... Ah, on va la prendre, mais clairement qu'on la prend, la promo, hein. C'est trop important pour le club, c'est trop important. Mais de vous à moi, les gars, on doit être champion, tu vois. Je veux dire, on doit être champion au vu de la saison qu'on fait, de la dynamique qu'on a, de tout. On doit être champion, on devrait... Voilà. Et au-delà de ça, la saison prochaine, ça va être compliqué. Hein. Parce que moi, personnellement, si on monte, je ne me vois pas partir de Elche. Hein. J'ai envie de vivre l'expérience, j'ai envie de les maintenir en première division. Eh ben, les gars, il y a du boulot. Hein. Ça va être dur hein, en première division. Hein. Ça va être très, très dur. Hein. Ça va être la guerre, hein, vraiment. Hein. Mais, encore une fois, la guerre, on est capable de se maintenir. Voilà, je veux dire, il faut juste se dire qu'on va avec une attaque. Enfin, voilà, et Bobby C, 21 buts. Kevin Carlos, 11 buts. Kevin Carlos, 23 matchs. Et Bobby C, 34 matchs, 21 buts. Il y a 14 passes D, il y a des passes de buts. Même Garcé, c'est très, très bon. Il faudra quand même qu'on regarde ce qu'on fait avec Garcé, Borja Garcé. C'est voilà, hein, y a rien à dire. Hein. Les gars sont là, les gars sont chauds. On va arriver en première division espagnole avec pas mal de certitudes et avec surtout la confiance au max, quoi. Il y a quoi, là ? Il y a exactement 6 points d'avance. Donc, 6 points d'avance, ça peut être champion à 2 journées de la fin. Voilà. Enfin, ça peut être promu à 2 journées de la fin. En soi, il y a quoi ? Il y a 4, il y a 9 matchs. Donc, voilà. Ça veut dire que tout dépend comment ça avance. Almeria, c'est Almeria qui nous colle au basque. Almeria, on va les jouer. Hein. Autant vous dire qu'Almeria, les gars, ils sont juste là pour nous taper. Hein. Ils veulent juste nous taper, Almeria. Il hein. n'y a que ça qui les intéresse. Hein. Si Almeria, on les tape, je pense que là, on peut déjà dire c'est bon, c'est fait. En fonction des résultats de Cadiz, si Almeria, on les tape, on est bon. Donc voilà. Mais la course à la promotion n'est pas finie, hein, les gars, je vous le dis. Hein. On parle de promo, mais on n'y est pas encore. Donc voilà, j'espère que vous avez pris du plaisir à regarder ce live. Mais je dis merci déjà à ceux qui regardent sur l'Ardif. Je vous invite bien sûr à venir encore une fois si vous n'avez pas eu l'occasion de le faire sur le live. Parce que franchement, les gars, on est vraiment une chouette équipe à chaque fois. Ça parle foot, ça c'est ultra cool. Merci à vous pour la force comme d'habitude. Je vous dis à très très vite pour un prochain live. Demain à 13h30, 14h, on start. Et très certainement, on finit du coup la saison. C'est tout à fait possible. Mais t'inquiète pas, Benedito, t'as l'Ardif sur YouTube. Donc voilà. Merci à vous, les gars. Et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.